Si vous le voulez bien, j'ai le plaisir d'animer ce dernier panel euh, du colloque, euh, puisque ensuite nous allons euh, travailler autour plutôt d'une table ronde. Hein, donc là, on, on est encore sur, sur un panel, un panel qui a pour titre euh, YouTuber en politique. Et euh, vont intervenir euh, donc, sur ce panel trois, trois enseignants euh, chercheurs. Euh, D'abord euh, Thierry Vars. Bonjour. Vous êtes enseignant au CELSA, vous faites euh, vos recherches au, au GRIPIC. Euh, le CELSA, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est encore Paris 4, hein, puisqu'on va vers un projet de fusion Paris 4, Paris 6, de mémoire. Euh, bon, il va également intervenir donc, Christine Chevret-Castellani, vous enseignez-vous à Paris 13 et vous êtes euh, membre du LAPSIC. Et, euh, et enfin, donc, analyste Vio, vous enseignez-vous à l'Université Catholique de l'Ouest à Nantes et euh, vous travaillez dans le laboratoire à Rennes, ex-équipe euh, ex CRAP, hein, qui, qui regroupe notamment, principalement d'ailleurs je crois, des chercheurs de Rennes 1 et de okay. Rennes 2, mais pas exclusivement. Euh, donc ce panel va nous permettre de mieux comprendre euh, comment les partis politiques s'approprient, se sont appropriés euh, YouTube en tant qu'outil de communication et d'information mais aussi en tant que ce que l'on pourrait peut-être définir comme une base de données, comme un outil d'archivage de contenu audiovisuel, mais pas seulement les partis politiques. On verra notamment avec Thierry de Vars que YouTube peut aussi être un outil pour amener une information dans le débat public et notamment dans le débat politique. Puisque vous avez étudié, un Thierry de Vars, deux initiatives citoyennes qui ont investi ce débat public, euh, politique, via leur chaîne YouTube, euh, ce qu'ils appellent d'ailleurs, je crois, un, un droit de cité. Alors je ne sais plus si c'est eux qui le, qui le nomment comme ça ou si c'est vous qui, qui le nommez comme ça. Donc euh, bah, je vais rendre à César ce qui lui appartient et donc bah, je vais vous laisser la parole. Donc euh, chacun aura 20 minutes hein, pour, exposer, euh, pour exposer ses, ses recherches. Euh, les trois euh, communications euh, vont se succéder, et puis ensuite, évidemment, vous aurez euh, tout loisir de, de, de poser des questions. Merci et je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça, ça fonctionne. Oui. Alors, en fait, la recherche que je vous euh, propose aujourd'hui a une valeur euh, exploratoire. Elle porte sur euh, des internautes dont l'activité éditoriale a été particulièrement remarquée et commentée. Euh, dans, dans l'espace public et qui, à qui on a assigné euh, l'étiquette youtubeur euh, politique alors je me suis intéressé à deux, euh, deux youtubeurs donc euh, oson causer qui est euh, constitué d'une équipe de trois internautes mais euh, on voit apparaître le plus souvent Ludovic Torbet à l'écran et qui propose sur euh, sa chaîne une critique de l'actualité euh, sociale et politique d'un autre côté, Usul, à travers sa chaîne Usul 2000, et je me suis intéressé plus particulièrement à la série de, de vidéos euh, Mes chers contemporains, qui propose dans cette série de vidéos une sorte de portrait euh, des grands archétypes socio-culturels de, de la France contemporaine. Donc le questionnement qui m'a euh, animé, c'est cette idée que... L'activité éditoriale de ces youtubeurs, elle propose de, de penser une remise en perspective du discours politique dans, dans l'histoire des médias, dans l'histoire du traitement de la politique dans les principaux euh, médias d'information. Donc il y a un double enjeu, un enjeu de médiatisation à mon sens, dans la mesure où la politique euh, est saisie euh, au prisme de ce que Philippe Marion appelle la médiativité numérique à savoir toutes les caractéristiques expressives et communicationnelles proposées par Internet et notamment par YouTube. Donc il y a un enjeu de médiatisation d'abord et de médiation par ailleurs, puisque sur ces, deux, sur ces deux chaînes sont proposées des analyses critiques et une explicitation des enjeux des débats d'actualité sociale, politique ou économique. Donc, en, termes de, en termes de corpus, donc c'est une, vraiment une, une recherche à valeur euh, exploratoire, c'est un, un point de départ. Euh, mon propos s'inscrit en sciences de l'information et de la communication à travers une, une démarche d'inspiration euh, sémiopragmatique qui vise un peu à interroger le, le formatage esthétique euh, des vidéos diffusées euh, sur, sur ces chaînes et à interroger également le, le discours, une analyse du discours de ces, euh, ces youtubeurs. À travers des caractéristiques de type énonciative, euh, stylistique euh, et rhétorique. Donc, je me suis appuyé sur une, une comparaison de deux vidéos, euh, à mon sens, euh, emblématiques. Une première, la vidéo euh, proposée par Usul, La télévision Pourquoi pas qui a été publiée le 14 mars 2014, qui a une valeur inaugurale et qui s'interroge sur le devenir de la télévision à l'heure d'Internet. Pour osons causer, j'ai choisi, dans un contexte de campagne présidentielle qui est important de, de souligner, une vidéo consacrée au sondage, hein, qui a été playlistée dans une catégorie intitulée hein, significativement Blabla, et qui euh, a été diffusée le 3 février euh, 2016, et qui constitue une forme de, de critique des acteurs autorisés de la communication politique, à savoir le personnel politique, les journalistes et euh, les sondages, en tout cas comme représentants autorisés de, de l'opinion publique. Donc il y a trois perspectives que j'aimerais euh, aborder avec vous. D'abord, un, euh, un enjeu de, de, de contextualisation. Il s'agit de, de replacer un petit peu cette euh, valorisation des youtubeurs politiques dans une histoire un peu plus, un peu plus longue liée euh, à l'émergence de l'Internet politique. Dans un deuxième temps, j'aimerais aborder justement cet enjeu de médiatisation que j'ai évoqué en envisageant justement tout ce formatage esthétique de la politique par la culture numérique à travers les vidéos. Et enfin, pour conclure, un enjeu de médiation par lequel j'aimerais aborder l'approche didactique proposée dans les vidéos par les YouTubers. Donc un premier point qui me semble important de, de, de mettre en évidence, c'est cette idée que euh, les chaînes de Doson-Cosé et d'Uzul, participe d'une dynamique continue de diversification des espaces d'accueil pour la politique dans les médias et des modes de prise de parole justement et de mobilisation éventuellement dans l'espace public médiatique. Alors c'est une dynamique qui est ancienne, on peut penser au milieu des années 2000 au forum, puis aux blogs politiques qui ont été valorisés pendant la campagne de 2017 et ensuite les réseaux sociaux. Numérique. Et il me semble que justement cette focale qui a été jetée sur les, les youtubeurs s'inscrit dans ce, dans ce processus. Par ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est une interdépendance grandissante entre le, le discours politique, les formes que, que prend le, le discours politique et le, le champ plus vaste sur YouTube de la culture numérique qui va imprégner qui va peut-être même contraindre justement la façon dont le discours est euh, formaté, euh, entre guillemets, euh, à l'écran. Alors ça engage différentes conséquences qui ont pu être observées, une déformalisation euh, des échanges et un ensemble de codes et de références euh, culturelles propres au numérique qui vont être sollicités dans le cadre de cette, euh, de cette prise de parole sur le politique. Ce qu'il faut noter, c'est que... Pour le personnel politique, jusqu'à peu, sur YouTube, n'a pas été véritablement pleinement investi et apparaissait plutôt, pour les, en tout cas les grands acteurs de la vie politique, comme une caisse de résonance médiatique. Je dis jusqu'à peu, parce qu'on va le voir avec Anaïs il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup fait parler de lui. Et les, les YouTubeurs, je dirais, euh, par rapport à ce paysage, euh, incarnent une, une éditorialisation euh, remarquée, réussie, une rencontre hein, qu'on pourrait qualifier de vidéogénique entre un discours et un média, un discours sur la politique et un média. Alors, un élément qui me semble également important dans cette mise en contexte, c'est de mentionner que la campagne présidentielle a pu jouer un rôle important pour mettre en visibilité, donner une certaine notoriété à ces, ces youtubeurs. La campagne présidentielle, c'est un moment de, de surchauffe symbolique, on va voir fleurir Diverses productions médiatiques et qui va également susciter à la fois une, une vigilance et une attention intermédiatique. Les, les médias vont s'observer les uns les autres et va apparaître dans ce contexte, va être mentionné, valorisé, euh, ces youtubeurs, notamment donc, Osons Causer et Usul. Donc ces conditions, elles sont propices euh, pour, pour les rendre visibles. Elles s'inscrivent ou elles sont caractérisées par le fait que euh, leurs vidéos présentent une saillance, une saillance sémiotique par rapport, je dirais, à toute une tradition de communication euh, audiovisuelle marquée par, euh, par la télévision. Donc il y a une rupture, une rupture esthétique de ce point de vue qui favorise une mise en visibilité. Et les campagnes présidentielles peuvent également être propices à valoriser toute forme d'innovation, je dirais, technologique, médiatique, dans le champ politique. Je vous ai mis à droite un visuel de Ségolène Royal qui, en 2007, avait été particulièrement commenté, en tout cas dans sa stratégie de communication, à travers son forum participatif qui s'appelait ⁇ Désir d'avenir ⁇ Donc on avait beaucoup jasé sur justement ce dispositif, à mi-chemin entre une volonté de démocratie participative et... Forme de marketing électoral. Enfin, le troisième élément de, de, de contextualisation, c'est cette idée qui s'exprime à travers ces, ces deux chaînes, de faire entendre une voix qui soit à la fois alternative et crédible sur, sur le politique, sur l'actualité politique, sociale et économique plus, plus largement. La posture d'Usul et d'Ozoncosé, elle s'inscrit dans une démarche euh, critique et euh, apartisane. En tout cas, c'est ce qui est euh, revendiqué, avec cela étant, quand on observe en filigrane ou à travers certains engagements, euh, un positionnement clairement ancré euh, à gauche hein, de l'échiquier politique. Et une démarche qui va également euh, permettre de diversifier le terrain du YouTube politique euh, et de certaines voix qui se font entendre à l'image à l'extrême droite, par exemple de celle d'Alain Soral, qui euh, occupe le terrain depuis euh, un certain temps. Par ailleurs, une nouvelle culture du discours politique se fait entendre à travers, à travers ces vidéos et elle s'inscrit à rebours du formalisme cathodique proposé par la télévision, la communication télévisuelle. Euh, je je m'appuie sur un verbatim d'osons causer. Notre recette, un plan simple, des mots simples pour réfléchir sur un truc complexe et sérieux. Donc on voit bien ici que se dessine un un public type pour, pour ces chaînes. alors, le deuxième temps que je voulais consacrer à la médiatisation, il est consacré précisément au formatage esthétique qui, euh, qui caractérise ces vidéos et à ce que j'appellerai à la suite de, de, de philippe marion, une vidéogénie. vidéogénie, soit la possibilité pour un discours ou une représentation de se réaliser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui lui convient le mieux. C'est une sorte d'arrangement qui est constamment commenté, qualifié par les commentateurs médiatiques par ailleurs. Trois éléments pourraient être mis, mis en évidence. D'abord, tout un travail euh, propre au numérique de l'audio-scripto-visuel, donc un ensemble de ressources sémiotiques qui sont sollicitées par oson Causé, par exemple, lorsqu'il sémiotise de façon récurrente toutes les sources qu'il prononce dans, dans son discours et sources journalistique essentiellement. Pour Usul, ce travail d'éditorialisation va passer par l'énoncé des cinq raisons qui, je le cite, qui font qu'on continue à s'abrutir devant le tube cathodique. Deuxième élément qui, qui me semble important à souligner, d'un point de vue toujours sémiotique, la valorisation d'une logique de réseau qui est propre au numérique et qui s'inscrit ou qui s'incarne pour osons causer. À travers la possibilité offerte à l'internaute de se référer aux sources euh, sollicitées par Ludovic Torbet et aux différents espaces médiatiques qu'il occupe euh, par ailleurs. Pour Usul, la fin de la vidéo est marquée par un ensemble de signes-passeurs, d'écrans, qui permettent d'approfondir la réflexion qu'il propose sur la télévision en consultant d'autres vidéos d'autres acteurs. Enfin, un dernier élément. Ce Qui me semble important de noter, c'est que cette vidéogénie, elle s'appuie sur un appel constant à la littératie médiatique des publics, c'est-à-dire euh, à leur culture, à leur savoir, leur capital culturel, finalement, en matière de culture médiatique contemporaine. Alors, pour osons causer, des mentions sont souvent euh, euh, prononcées sur des objets contemporains sans jamais être explicitées, ce qui dit bien quelque chose, en tout cas, de cette littératie, il parle de la GameCube, de Tumblr ou de Alain Juppé qui deal une couverture dans Society. Donc, Ce qui dit bien en tout cas une mention que le, le, le public type est censé supposer, euh, supposer connaître. Autre élément qui me semble important, c'est cette idée, cette ambivalence du rapport à la télévision. Cette idée que l'axe YY qui a été formalisé par Élisée vérone pour caractériser l'énonciation télévisuelle du du journal télévisé, je vous regarde dans les yeux. Finalement, il est réinvesti et euh, adapté, je dirais, aux valeurs ou aux promesses communicationnelles de, de YouTube. Alors, une promesse d'abord d'intimité, puisque les vidéos sont saisies dans un espace domestique, euh, la chambre d'usule ou le salon d'oson de, de, causé, avec bah, comme conséquence une sollicitation d'imagination une idée de, une métaphore communément mobilisée d'horizontalité. Deuxième promesse, la promesse de proximité, avec pour osons causer une apostrophe, un hein, wesh wesh les amis, qui introduit chaque, chacune de ces vidéos, qui constitue également une marque de fabrique. Ce, ce vous qui est constamment sollicité, ses impératifs, ses adresses finalement à l'internaute hein, et l'opposition constante entre le nous. Donc, Ludovic B est euh, l'internaute et le « il » qui renvoie euh, globalement aux aux journalistes, etc. Donc, on a une espèce de, de, de une stratégie ou en tout cas un processus de fidélisation et d'intégration symbolique euh, du public. Troisième problème, promesse, la familiarité. Familiarité qui apparaît chez Usul à travers. Alors, il est plutôt dandy, Usul. Hein, il a une espèce d'énonciation de, de dandy, mais il procède par euh, rupture de ton. Rupture de ton, c'est-à-dire que ce ton plutôt soutenu, euh, par moment, je cite, euh, vous êtes des putains de rebelles émancipés. Donc, il y a des effets de rupture relativement euphoriques. Euh, osons causer, euh, la familiarité, c'est un invariant euh, stylistique. Quand il compare euh, Juppé à un couillon, par exemple, ou le personnel politique qui n'a pas la chance d'accéder au pouvoir, hein, les bouffons qui sont pas au pouvoir. Je cite littéralement. S'impose également euh, l'idée d'une fabrique de, de numérique spécifique, de, de, de la légitimité, avec, d'un point de vue en tout cas sémiologique, l'arrière-plan du professionnel amateur. Euh, qui s'exprime, à mon sens en tout cas, à travers un réinvestissement de genre audiovisuel et de pratiques journalistiques consacrées, autorisées, le reportage, les interviews, le documentaire. Alors pour Usul, c'est à mon sens la figure du présentateur de journal télévisé qui, euh, qui, qui, qui l'incarne et dans la structuration de, de sa vidéo, une alternance de commentaires, d'images d'archives et d'interviews, telles que vous pouvez le, le, le voir à gauche de, de l'écran. Également, euh, un élément important qui fabrique cette ethos de locuteur légitime, un recours aux sources, je l'ai évoqué, qui est fréquent chez Ozoncosé, chez Usul, qui prend la forme d'archives exhumées. Ici, le célèbre propos de, de Patrick Lelay sur TF1 et le temps de cerveau disponible des téléspectateurs. Quelque chose qui me semble important également en termes de légitimité, c'est cette ambivalence, encore une fois, aux médias d'information classique, aux médias, je dirais, institués. Vous reconnaissez ici Edoui Plenel, institution médiatique, s'il en est. Euh, et il faut noter que pendant la campagne présidentielle, Usul et Onze cosé ont tous deux euh, coopéré euh, à travers des, des chroniques dédiées avec Mediapart, ce qui témoigne... À mon sens, d'un processus de légitimation croisée et d'un désir, peut-être, de reconnaissance de ces youtubeurs dans un système médiatique que, pour autant, ils tentent à dénoncer ou, en tout cas, à poser comme élément repoussoir. Enfin, pour conclure, un temps sur un enjeu de médiation qui me semble important de noter, puisqu'au-delà de ce formatage esthétique que j'ai évoqué, les, euh, les youtubeurs proposent donc une critique globale hein, de la vie politique et de sa couverture euh, médiatique, au sens des, des médias d'information euh, classiques. Cette critique, chez Osons Causer, elle prend la forme d'une défiance, je dirais, lorsqu'il euh, s'adresse ou qu'il parle de, du personnel politique à travers euh, cette périphrase ironique euh, nos amis les politiciens, euh, ou qu'il remet en cause euh, la communication politique au sens classique du terme, à savoir l'espace. Où s'échangent des discours contradictoires entre les trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique. Je reprends les termes de Dominique Volton et qui sont le personnel politique, les journalistes et l'opinion publique à travers les sondages. C'est précisément la démarche de causé dans cette vidéo. La critique des sondages qu'il propose, elle s'appuie ou elle, elle s'articule autour des conditions de production de l'information de la présence des experts en plateau qui sont vilipendés et nommés par ailleurs, euh, la recherche du buzz et enfin un élément de critique la personnalisation de la vie politique. L'idée qui est soulevée par ozoncausé c'est que l'espace public contemporain, il est perverti par des enjeux à la fois mercantiles. Lorsqu'il dit par exemple à propos des sondages et de leur utilisation, c'est tout codement du marketing, pour le citer. Et des enjeux aussi tactiques qui sont liés à la personnalisation de la vie politique quand il évoque des métaphores telles que la course à l'échalote ou simplement l'abréviation plan de com. On observe donc un métadiscours critique sur les médias d'information. Puisque Usul parle, dont je vous l'ai dit, de s'abrutir devant un tube cathodique, et il évoque par ailleurs, de façon sarcastique, ironique, une forme de servitude volontaire du, du téléspectateur. Servitude volontaire du téléspectateur qui serait dans le déni de la collusion euh, du monde de l'argent et des médias. Une satire qui passe chez Usul par des, euh, un procédé parodique parodie de l'offre éditoriale de, euh, proposée par euh, les chaînes de télévision, et notamment l'information euh, en continu. Donc on observe euh, en outre une vocation euh, didactique de, de, de ces vidéos euh, politiques, travail donc critique à travers une énonciation profane. Alors c'est surtout pour Oson Causé qui va euh, vraiment solliciter toutes les ressources de l'oralité. Les abréviations, les, les apocopes lorsqu'ils mangent les mots, les apostrophes triviales, on en a parlé. Des euh, sociolectes, hein, putaclic, je crois qu'on en a parlé hier. Delay, hype, junce, et des expressions familières, être taqué, pédaler dans la smoule, par exemple. Énonciation profane, doublée d'une démarche explicative à travers des procédés qui sont sollicités, notamment le procédé de l'énumération chez euh, « osons causer ». Énumération où il va solliciter le, le substantif raison, je dirais, au double sens du terme. osons causer, il va donner les trois raisons, qui, euh, les motifs, donc, qui, selon lui, font que les les usages de, des sondages sont euh, pervers, dira-t-on. Raison au deuxième sens du terme, au sens de, de calcul, où se met en œuvre, dans, dans son, pas son écriture, mais son discours, une rhétorique du nombre. Rhétorique du nombre qui passe à travers le discours, 1, 2, 3, et à travers le geste, c'est relayé par la gestuelle du, de l'internaute. Il dit aux oncosés, voilà les trois raisons principales pour lesquelles les médias prennent les sondages et on va commencer à les détailler. Donc l'oralité, elle est mise au service, finalement ce style de l'oralité est mise au service d'une argumentation qui est tout à fait euh, raisonnée. La rhétorique, c'est une rhétorique également de, de l'exposition euh, qui va jouer sur des procédés d'emphase syntaxique. Je prends un mot, je le, re, je le, je le reprends ensuite par un pronom. Euh, les politiques, il, les médias, il, etc. Il y a tout, tout cet effet stylistique. Et le recours à l'exemple. Recours à l'exemple qui est censé rendre lisible et visible l'abstraction du raisonnement. Établi sur la force épistémique de l'image. Il s'agit de jouer justement sur cette idée d'apparition par les incrustations des sources ou des preuves du discours. Enfin, une nudification du discours sur l'actualité, qui joue chez Usul, donc on l'a dit, par la mobilisation de la parodie ou de la satire, et un travail de décalage constant, un travail rhétorique entre le. Les, les, comment dire, le, tous les sarcasmes qui parcourent son discours et le sérieux des sources qu'il sollicite lorsqu'il, par exemple, mentionne une interview d'un chercheur au CNRS en neurosciences qui dénonce les usages manipulatoires de, de la publicité par les grands groupes médiatiques. Donc pour conclure ce propos, c'est cette idée quand même d'articuler parole et action. Euh, les vidéos portent un enjeu citoyen fort. Il s'agit de favoriser le débat et l'engagement. Euh, et donc d'affirmer, alors là je, je reprends, un droit de cité finalement dans l'espace public médiatique lorsqu'il s'agit de parler de politique. Euh, donc je reprends le texte de, de le, le discours de, de Ludovic B. reprendre en main notre destin collectif nécessite de se retrousser les manches et de, se, et de remettre les mains dans le cambouis politique pour enfin osons causer. Donc il y a bien cette idée de parler autrement euh, de politique par rapport à la façon dont on en parle dans les médias d'information euh, classiques hein, et peut-être de redonner valeur, hein, euh, je dirais, aux politiques, c'est-à-dire à, à l'ensemble des, euh, des principes et des valeurs qui problématisent euh, la vie collective, plus simplement la politique qui est donc la gestion. Euh, des, des affaires publiques par un ensemble de professionnels du, du champ. Voilà, je vous remercie. Merci bien. On va donc euh, continuer euh, avec vous, euh, Christine Chevret-Castellani. Alors, nous allons peut-être pour certains découvrir pour d'autres, euh, nous plonger dans, dans, dans les stratégies euh, numériques peut-être aussi les paradoxes hein, qu'elles peuvent en, en, engendrer euh, d'un parti né en Europe du Nord et qui a, euh, qui a une représentation en France, qui s'appelle le Parti Pirate Français. Je travaille sur le parti pirate depuis les élections de 2012 et les élections législatives de 2012. Et je m'intéresse en fait aux différents outils utilisés par ce parti politique dans le cadre <laughs> des élections. Et parmi tous ces outils utilisés par le parti pirate, donc là, je me suis plus particulièrement intéressée à leur utilisation de YouTube. Donc. Le Parti Pirate est né en France en 2006 suite à un mouvement citoyen contestataire de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, qui a d'ailleurs été cité ce matin. Et donc il combat la clôture des droits de propriété également en 2009 quand il s'est agi en fait de voter les lois dites ADOPi portant sur également donc la lutte contre le téléchargement illégal. Le parti pirate est présent à des élections depuis 2012, alors des élections à l'échelle nationale. Donc il présente donc régulièrement des candidats. Alors par rapport aux formations politiques traditionnelles, le parti pirate se présente comme voulant exercer un contre-pouvoir et il mène des campagnes d'ailleurs qui sont essentiellement des campagnes sur l'internet. Il utilise pour se faire différents types de plateformes en ligne, dont YouTube, pour y déposer des clips de campagne. Et le problème que je pose, c'est de savoir, en fait, comment ce, son positionnement politique peut être concilié avec ses propres pratiques communicationnelles, notamment ici, celles relatives à l'usage de cette plateforme pour mener une campagne électorale alors, pour aller un peu vite sur euh, l'approche euh, théorique, en fait, j'entendrai ici euh, youtube euh, comme, euh, pour citer euh, yves Jeanneret qui a forgé cette expression comme outil marque. en fait. et donc, euh, c'est à partir de là que je vais euh, aussi euh, présenter, euh, donc, les analyses. en ce qui concerne le corpus, donc, c'est un corpus d'une vingtaine de vidéos, euh, donc, en rapport avec trois élections euh, principales donc où il y a eu des campagnes en fait ce sont les élections législatives de 2012 mais également donc les européennes de 2014 et les législatives de, de 2017. La manière dont le corpus a été délimité donc il a été de, donc, de manière temporelle et suivant une étude comparative donc, de ces trois campagnes. La, ma démarche s'ancre également dans la sémio pragmatique euh, qui s'intéresse aux qualités inhérentes d'un mode discursif et euh, donc, euh, pour aller un petit peu vite, qui euh, donc s'intéresse aux univers de référence et à la construction de l'entité énonciative. J'ai complété par un, le recours à la, la sémiotique visuelle qui contribue euh, de manière complémentaire à l'analyse des signes saillants, euh, en particulier euh, en ce qui concerne les deux chaînes YouTube que j'évoquerai. Alors, euh, dans un premier temps, euh, je voudrais envisager justement que euh, le Parti Pirate a alimenté euh, une première chaîne euh, en 2012 et puis une autre pour euh, les élections de 2017. Et euh, ces chaînes euh, témoignent de ce que j'appelle un patchwork visuel. Ce que j'entends par euh, patchwork euh, concerne en fait euh, un assemblage de formes disparates dans une structure. En effet, tout d'abord sur YouTube, les clips sont autant de pièces de cet assemblage dispersées sur la plateforme et soit transmis par les membres du Parti Pirate, soit publiées euh, sur la chaîne. Sur la première chaîne euh, alimentée par le Parti Pirate sur YouTube à partir de 2012, les contenus sont présentés de manière anti chronologique. On y constate également euh, une, donc une dispersion des contenus et euh, aussi une euh, volatilité euh, des contenus. Sur cette première chaîne, on y voit donc un logo que je mets ici en évidence. Il est noir sur fond blanc. La forme arrondie ici de, de, de la voile du bateau du logo éloigne plutôt d'une visée agressive. En fait, elle vient adoucir la violence inhérente à la piraterie. Et on peut considérer que cet objet visuel est. En fait, un objet ludique, dans la mesure où il ressemble en fait aux feuilles des arbres courbées par les enfants, puis traversées par un bâton de bois pour en faire une voile de bateau. Sa euh, signification pourrait renvoyer à la promotion d'une posture ludique face aux objets techniques qui invite à l'inventivité et à la créativité individuelle. En fait, cette posture, elle est proche de celle des hackers, pour lesquels certaines technologies sont émancipatrices, mais d'autres néfastes, voire liberticides et asservissant les utilisateurs. Une nouvelle chaîne a été créée pour les élections législatives de 2017. Donc, cette seconde chaîne, elle est présentée désormais dans la catégorie actualité et politique on voit dans le bandeau le nom du parti suivi d'une extension fr à l'instar adre d'une adresse url. Et euh, donc d'un site, pardon, et aux couleurs de ce parti politique, notamment euh, le violet, qui est la couleur du parti pirate. Et en dessous du bandeau, donc le logo à gauche est désormais cerclé de cette couleur-là, propre au parti. Et on y voit également apparaître, alors là vous ne le voyez pas, mais on y voit apparaître le nombre, le nombre d'abonnés ici, euh, ici il s'agit de 40 abonnés, euh, donc en particulier. Euh, le patchwork visuel euh, ici s'explique pour deux raisons, il est d'abord dû à la construction de l'identité visuelle du parti Pirate français. Ainsi donc dans la structure que représente l'interface pour le lecteur, les formes varient en fonction de cette construction. Par ailleurs, les contenus sont disséminés à divers endroits de la plateforme, Le, donc YouTube servant notamment au Parti Pirate d'espace d'archives de ces contenus, en particulier de contenus qui étaient auparavant mis sur des sites web dédiés aux différentes élections. Alors, ainsi, le patchwork visuel se caractérise par une hybridation des signes. En effet, d'un côté, apparaissent sur la page d'accueil des petites formes et des signes relatifs à la plateforme, comme le pouce du like. D'un autre côté, se mêle à ces types de signes propres à euh, se à ces, ces signes pardon des signes propres à une culture euh, libriste c'est-à-dire du logiciel libre tels que les symboles des licences Creative Commons ou, ou également encore d'une culture hacker comme par exemple le noir euh, du crypto anarchisme crypto anarchisme pour euh, expliquer brièvement donc de cryptographie qui consiste donc en fait à euh, donc euh, à dissimuler en fait ces, ces données euh, enfin vraiment pour simplifier donc en, en ce qui concerne les, les contenus, ces contenus sont peu likés ou commentés. En 2017, les commentaires sont soit courts, soit constitués de nomatopés, d'émoticônes. Et quand ils sont très longs, en fait, ils sont sans rapport direct avec le contenu de la vidéo. Par exemple, un internaute qui expose ses propres idées politiques qui n'ont rien à voir avec celles du Parti Pirate. Alors on constate par ailleurs euh, qu'il n'y a pas de dislike, il y a en moyenne 5 likes. Cette faible moyenne du nombre de likes, enfin très faible moyenne du nombre de likes, ne doit cependant pas conduire à minimiser, à minimiser leur importance, parce qu'en fait on ne peut pas comparer donc des likes sur des vidéos politiques avec des likes sur des vidéos à contenu dit culturel. En fait, comme l'explique l'enquête de Franck Bagot, le like politique a, je le cite, une certaine solennité il engage davantage son auteur. Alors, on constate qu'il y a une évolution de la plateforme, donc par l'usage de ce parti politique. La mise en ligne des contenus témoigne de stratégies discursives plurielles. Les discours visuels et verbaux s'y caractérisent par ce que j'appelle une polyphonie, au sens général du terme et là non linguistique. C'est ce que je restitue maintenant dans la deuxième partie. Alors, afin de rendre compte de cette stratégie de communication audiovisuelle en ligne, je l'envisage sous l'angle de la diversité des discours visuels et verbaux. Et donc, en mobilisant la méthode sémiopragmatique, j'envisage la circulation des signes, mais aussi la manière dont se construisent les univers de référence et les entités énonciatives dans les clips. Alors pour les élections législatives 2012, par lesquelles je vais commencer, donc le Parti Pirate a publié quatre clips de campagne, notamment sous licence art libre, et donc je vais présenter un extrait. Alors je vous prie d'abord bien vouloir m'excuser pour la qualité du son. En fait, c'est propre à la vidéo, mais ça permet de voir justement la différence entre les trois types de campagne. Donc quelques images seulement. Alors, euh, donc, euh, dans, ces, dans, ces, dans le cadre de cette première campagne, en fait, les euh, candidats ne sont pas euh, immédiatement identifiables. Euh, les, euh, donc les énonciateurs ici, euh, donc euh, avant dénoncer leur programme, donc euh, reprennent les, de, les codes couleurs euh, du parti politique. Alors le, le violet porté euh, par euh, ici la candidate, le vert repris dans l'arrière-plan de l'image, ce fond de verdure. Donc on a ici euh, euh, voilà, de, de quelques caractéristiques qu'on peut euh, resituer. Mais entre le premier et le second tour, notons qu'en fait, euh, il y a eu un changement euh, d'univers de référence très important puisqu'il y, y a eu une radicalisation du discours euh, du Parti pirate, en particulier pour euh, euh, particulièrement euh, critiquer euh, des accords commerciaux qui étaient euh, en cours à ce moment-là, comme par exemple l'accord euh, commercial euh, anti-contrefaçon. Alors, au moment des élections européennes de 2014, euh, donc, il y a eu, il y a eu donc, également des vidéos qui ont été euh, produites. Alors, euh, il y a eu des clips de soutien, en fait, euh, députés du Parlement européen, parce qu'il y avait quand même à ce moment-là deux députés euh, donc au Parlement européen euh, donc qui n'étaient pas français, mais euh, donc euh, il y avait donc on, on peut citer Amelia Andersdottir et euh, donc par ailleurs aussi euh, Christian Engström. Euh, donc à part les vidéos de, de, de députés ou du fondateur du euh, parti euh, pirate en Suède, on a trois vidéos pour euh, les Européennes, dont une je, dont je vais présenter un extrait maintenant ah, Imaginez-vous payer pour accéder à un moteur de recherche? trouvez vous normal de payer plus cher une tomate parce que son génome a été breveté? La connaissance et la culture doivent circuler librement entre citoyens qui n'en font pas une utilisation commerciale. Aujourd'hui, cette circulation est mise en danger par des brevets, par des lois qui protègent des multinationales. L'Union européenne doit être force de proposition pour réformer ce système. Au parti pirate, nous pensons qu'il est nécessaire de réformer cette propriété intellectuelle en pleine dérive. J'arrête là. Euh, donc euh, désormais, euh, les, les énonciateurs y sont interrogeables en termes d'identité. Il s'agit alors pour l'extrait que j'ai montré là d'Éric Mahuet qui est euh, directement cité et de, Vérine, et de, Véronique, euh, et de Véronique Vermorel cependant les stratégies discursives sont assez dissonantes puisqu'on a des candidats qui vont défendre un programme qui est un programme commun au parti pirate et puis d'autres qui vont en fait plutôt au contraire défendre des problématiques locales ça a été le cas pour la candidate d'outre-mer donc euh, on, a, on observe également un, des glissements de valeur, euh, donc euh, des glissements relatifs aux valeurs et une, une certaine polyphonie au sens euh, donc, toujours général du terme, c'est justement ces dissonances en fait qui font qu'il n'y a pas de, 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 de présentation homogène en fait euh, des postures. Euh, alors, certaines thématiques sont quand même euh, récurrentes, hein, notamment la protection de la vie privée, et puis euh, euh, certaines sont aussi euh, vraiment propres au Parti Pirate et ils la défendent, en particulier euh, 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 tout ce qui concerne la lutte contre euh, la censure de l'Internet ou en faveur de la liberté euh, d'expression. Euh, D'autres, en revanche, n'ont pas de couleur politique propre. Par exemple, on, on va lutter contre la paix. Voilà. Euh, donc, euh, dans. Dans la, pour la campagne de 2017, donc dans deux des clips publiés pour ces élections de 2007, alors là, on va avoir des changements qui sont très importants, euh, que je vais expliciter. Et euh, donc, je vous, pour ce faire, je vous mets un extrait La défense des libertés fondamentales. La défense des libertés individuelles contre la surveillance de masse. Égalité hommes-femmes. Égalité de tous les genres et de toutes les identités. Lutte contre les discriminations. Parce que je me considère comme féministe et que actuellement les femmes sont toujours moins payées que les hommes, sont toujours stigmatisées, subissent du harcèlement sexuel, dans le droit c'est pas du tout adapté. Je m'appelle Léa, euh, je me présente aux législatives euh, pour le Parti Pirate car c'est le parti qui, pour moi, représente le mieux mes idées. Aussi parce que je trouve que la classe politique actuelle est complètement déconnectée de la réalité, ne nous représente pas, et que le changement pourrait venir d'initiatives locales et des personnes qui ne sont pas des professionnels de la politique. Ce qui motive le plus au Parti Pirate, c'est la lutte contre les discriminations, l'égalité hommes-femmes, mais aussi d'autres genres, d'autres identités qui ne sont absolument pas représentées dans l'espace public et politique, et dans les lois, ou mal représentées, ou des lois qui ne sont pas du tout adaptées. Donc je suis travailleuse du sexe depuis 7 ans et euh, le droit actuellement euh, est complètement stigmatisant, marginalisant et nous traite en tant que victimes et non pas qu'en tant que citoyens et citoyennes à part entière. Alors là, vous avez eu un extrait de l'interview de Léa, et en fait, euh, on a plusieurs, euh, donc dans le cadre de cette campagne, on a plusieurs interviews, justement, euh, comme ça, qui, sous le mode du témoignage, et on, là, le changement qu'on euh, euh, qu peut constater, c'est que prédominent des structures narratives qui sont propres euh, à l'histoire de chacune euh, des interviewées. Non seulement les candidats sont euh, donc repérables en termes d'identité, on a aussi une construction du jeu de l'énonciatrice, par exemple, dans le le témoignage de Léa, je suis travailleuse du sexe. Alors, c'est justement ce dévoilement progressif des identités de tous les membres du Parti Pirate français qui constitue cette évolution profonde. Il conduit désormais à une personnalisation de la prise de parole et ainsi le Parti Pirate s'éloigne de mouvements sociopolitiques auxquels il a été auparavant associé, comme par exemple Anonymous. Cependant, ce changement de pratique n'implique pas de rupture avec ce qui constitue un point essentiel de la ligne programmatique du parti, c'est-à-dire celui qui vise à combattre la préemption des contenus par les géants de l'Internet. Dès lors, reste la question de la conciliation de ces pratiques communicationnelles sur la plateforme, notamment de savoir si ces pratiques correspondent à une stratégie avec son positionnement politique. C'est ce que nous voyons dans une troisième et dernière partie alors dans la communication politique du parti euh, pirate donc certaines thématiques évoluent comme par exemple celle de l'environnement euh, donc, euh, donc des thématiques qui ont conduit le parti pirate d'ailleurs à se rallier à des mouvements euh, sociaux existants depuis euh, sa création c'est un parti qui se présente cependant avant tout comme combattant la clôture des droits de propriété euh, sur l'internet mais euh, sa communication politique a conduit parfois, alors je ne parle pas spécifiquement du Parti Pirate français, mais du Parti Pirate en général, à assimiler ce parti à une marque politique. En Islande, d'ailleurs, il est par appelé Parti Facebook. Hein. Euh, donc, euh, au regard de son euh, usage d'un réseau euh, socio-numérique. Alors, je, considère, je ne considère pas que le Parti Pirate est une marque politique, notamment au regard de son attachement à la culture euh, hacker. Et en revanche, j'envisage que ici, on a un témoignage de ce que Nicolas Aurey appelait une politique du code, c'est-à-dire en fait cette volonté de participer au déploiement d'une transformation politique et sociale par le numérique, ainsi que la croyance en le pouvoir d'encapacitation de l'informatique. Alors, certaines thématiques... Donc, euh, liées au programme du Parti Pirate sont récurrentes. En revanche, on a une thématique qui a été introduite et qui a été développée. C'est celle qui est relative euh, donc, au, à la démocratie, euh, à la démocratie euh, liquide. Euh, donc euh, cette démocratie liquide pour euh, expliquer un, un petit peu rapidement c'est elle, elle vise en fait euh, cette une conception de la démocratie qui vise en fait à défendre des formes de participation dans les processus euh, de décision politique sur l'internet et de mettre des participants en, en relation euh, sur l'internet le parti pirate tend à promouvoir en fait au travers euh, sa défense de la démocratie liquide l'horizontalité du pouvoir et euh, donc en fait afin d'abolir toute hiérarchie il dénonce en fait la manière dont s'exerce le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire de manière verticale. Et c'est là vraiment qu'est l'originalité de son programme politique, parce qu'en fait cette conception horizontale du pouvoir est calquée sur la dimension réticulaire de l'Internet. Or en fait, la constitution d'une communauté, si elle repose là sur le modèle de la connexion, dès lors les membres du parti pirate utilisent cet outil marque YouTube essentiellement pour bénéficier, pour bénéficier d'un service qui correspond à une plateforme qui est une plateforme populaire. S'il s'agissait de concevoir la plateforme comme la possibilité même de créer du collectif, ce parti politique tenterait de l'exploiter à cette fin plutôt que comme un service proposé à une communauté. Alors pour conclure, en fait, euh, l'usage de YouTube par le Parti Pirate français répond moins à une stratégie, entre guillemets, de communication politique qu'à une préoccupation d'archiver de, euh, des vidéos, en particulier consécutivement à la suppression de ces vidéos euh, sur des sites web dédiés, sites web qui disparaissent aussi d'ailleurs. Euh, donc euh, YouTube reste une plateforme permettant de maintenir l'accessibilité de ces contenus. Le Parti Pirate, il euh, dépose d'ailleurs peu de vidéos et plutôt par euh, techno-pragmatisme à dire ici, en fait, euh, euh, le, le, qui consiste en la nécessité de rester euh, visible sur l'Internet. Si euh, la chaîne YouTube du Parti Pirate Français ne crée pas de véritables communautés politiques à euh, des moments dits forts de la vie politique que représentent les élections, c'est aussi, je pense, en raison de l'aspect la, poly, polysémique euh, du like. Euh, donc euh, là, je ne veux pas développer sur l'enquête euh, de Franck Babo, mais il met bien en évidence qu'on utilise le like pour des raisons très très différentes les unes des autres. Ça peut être pour être approuvé euh, une euh, le contenu du vidéo, euh, mais aussi pour servir de marque-page, par exemple, par rapport à ses vidéos préférées. Donc il est difficile d'envisager également une dimension di dialogique euh, favorable au débat politique, dans la mesure où les commentaires sont soit très courts, soit très longs, mais sans rapport avec le contenu de la vidéo. Et enfin, si les clips de campagne du Parti Pirate sont peu likés, l'ambition de ce parti politique ne repose pas sur la préoccupation de créer sur YouTube une communauté en ligne, parce que ce n'est pas là pour un pirate, sur cette plateforme, que se joue la création du collectif. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Christine Chevret-Casselani. On va terminer avec vous, Anaïs Tevio. Alors là, on va faire un, un focus à la fois sur un, un parti politique et sur un homme politique. Euh, D'ailleurs, euh, ça, euh, ça avait été teasé par euh, Thierry Devar, Saint-Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a su réunir euh, quand même plus de 2 millions euh, d'abonnés, je crois, lors de sa, lors de sa campagne euh, présidentielle. En tout cas, sa chaîne YouTube a su réunir plus de 2 millions d'abonnés. Euh, en 2017, on vous laisse donc euh, la parole à Naïs Tevio. Bonjour à toutes et tous. Donc, je, je vais commencer par présenter un peu le, le contexte de cette enquête. Euh, J'avais fait ma thèse de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux sur euh, l'usage du web en campagne électorale, mais sur la campagne de 2012, avec une analyse comparative entre euh, le Parti Socialiste et l'UMP. Et dans la continuité de, de ces travaux, euh, je me suis intéressée donc à la campagne électorale présidentielle 2017 et plus particulièrement à la, aux prestataires de la big data électorale. Donc pas du tout <laughs> le sujet du jour. Donc c'est pour vous dire que voilà, j'ai été amenée à, à rencontrer euh, lors de, de cette enquête euh, des... Euh, on va dire, les équipes de campagne de plusieurs partis politiques. Et, euh, et je me suis intéressée, vu euh, l'étendue et le succès euh, de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, à ce cas d'étude en particulier, mais ça reste encore euh, en cours. Ah non, c'est pas là qu'il faut passer. Alors, je vais vous proposer un, un plan euh, assez simple euh, qui va me permettre de euh, dérouler euh, mon argumentaire. Donc d'abord, je voulais faire un, une petite euh, un petit remise en, en contexte de l'arrivée du numérique en politique, mais ça sera euh, très rapide. Et ensuite, euh, vous parler plus spécifiquement du cas... Euh, Étudier, donc l'objectif de, de cette communication, c'est d'étudier cette fameuse grammaire de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pris ce terme de grammaire puisque, lors de l'entretien avec le responsable de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, il a, mis, il a revendiqué une reprise de la grammaire, ce sont ces mots, des codes, ce sont ces mots aussi, des YouTubeurs populaires. Donc, L'idée, c'est essayer de voir euh, quels sont ces codes, quelle est cette fameuse grammaire, euh, comment les vidéos de Jean-Luc Mélenchon se démarquent. Euh de ses concurrents, parce qu'on verra qu'il y a eu quand même pas mal de candidats qui ont créé leur chaîne YouTube, mais dans l'esprit de pas mal de monde, il reste que la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, mais ils ont tous créé leur chaîne YouTube. Euh, et donc l'idée, voilà, d'avoir une perspective comparative à la fois avec les YouTubeurs populaires et avec les autres candidats. Et est-ce que finalement, on peut parler de politique comme on parle de maquillage sur YouTube Donc, on verra ces éléments ensemble au niveau des formats, des rythmes qui sont proposés sur, ces, sur sa chaîne et en comparaison avec d'autres chaînes. Et donc, l'idée des deux autres parties, on verra que le succès de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon s'explique en partie par une bonne euh, compréhension euh, des codes des youtubeurs euh, qui sont vraiment euh, ancrés euh, dans, dans sa chaîne. Mais pour autant, il n'en a pas abusé. On verra que d'autres, oui, il, il n'a pas caricaturé euh, ces codes. Et puis on étudiera dans la troisième partie les effets politiques de ces vidéos, notamment en termes de changement d'image du candidat qui a été perçu alors comme plus proche, et ça lui a permis aussi d'adoucir son image pour capter un plus large public. Alors, première partie donc sur cette montée en puissance de l'usage du numérique en campagne électorale. Donc là, je remonte euh, pas mal de temps en arrière, donc les prémices du web en politique. Finalement, euh, aujourd'hui, le numérique, c'est devenu un obligatoire en campagne électorale, mais euh, il y a à peine euh, 15 ans, <laughs> c'était pas du tout euh, ancré dans les manières de faire campagne. Ça arrivait très euh, progressivement. Euh, donc on a eu plusieurs étapes. Je vous ai mis 2004, le phénomène du web blog en politique. 2005, euh, le euh, Traité européen qui a vraiment fait un peu un coup de fouet aux hommes politiques en se disant que finalement il fallait peut-être bien regarder ce qui se passait sur la toile et travailler ce domaine-là, non pas juste comme un objet de communication, mais aussi comme un objet vraiment de stratégie de communication politique. Donc, une autre, autre grande étape, donc 2007. Euh, la campagne de euh, Ségolène Royal avec Désir d'avenir euh, que euh, Thierry a, a évoqué. Dans sa communication. Donc, effectivement, là, ça a été aussi une étape pour, dans l'idée de faire participer les citoyens. On retrouvera ça dans la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, cette idée de, de faire participer, de paraître plus proche des électeurs via des outils numériques qui permettent finalement euh, de donner l'illusion, en tout cas, de casser cette barrière, euh, fameuse barrière entre gouvernants et gouverné, Donc, qui après a été effectivement l'objet de vives critiques. D'autres étapes, comme, évidemment, dès qu'on interroge les équipes de campagne numérique en France, ils se réfèrent toujours à Obama. C'est quelque chose d'assez classique. Donc, ça revient sur cette inspiration de la campagne américaine. Ça a été notamment le cas pour la création en 2010 de réseaux sociaux partisans tels que la Coopole. Les démocrates, etc. Donc c'était des réseaux qui cherchaient à créer une communauté en ligne euh, et finalement qui n'ont pas du tout eu du succès. Et, et c'est ça aussi qui est intéressant à étudier dans la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, c'est les raisons de ce succès parce qu'il y a des outils qui ont, nombreux outils qui ont été développés par les partis politiques, pourtant innovants sur le point de vue technique, mais qui n'ont pas rencontré leur public. Et enfin, en 2012, le changement radical. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien avec le directeur web à l'époque de l'UMP qui nous explique que le changement radical, oui, bah, c'est les chaînes d'information en continu et dans le cadre de la communication numérique, que c'est évidemment Facebook et Twitter. Aujourd'hui, ça nous paraît incontournable, mais en 2012, c'était voilà, finalement assez naissant. Donc là, on voit, je vous ai mis le nombre d'abonnés du compte Twitter au Parti Socialiste pour montrer que finalement, ça s'est mis en place au moment de cette campagne de 2012 avec une montée en puissance exponentielle de ce, du nombre de followers parce qu'avant, on n'était pas du tout dans ce type d'outils. Et donc, tout ce qui est autour de la mise en scène de Twitter en ligne. Aujourd'hui, donc campagne 2017, est-ce que ça serait YouTube euh, le nouvel outil, alors ça paraît un peu incongru parce que... Facebook, Twitter, on, on en avait assez peu utilisé, alors que YouTube, c'est finalement pas si nouveau, peut-être nouveau euh, en politique, quoique, parce que quand on va le voir, euh, Jean-Luc Mélenchon, il avait aussi créé sa chaîne euh, en, 2000, en la campagne précédente, en 2012. Donc euh, voilà, il y, y a aussi des temps pour certains outils. Donc YouTube a été créé bien avant, et là, il apparaît pourtant comme une nouveauté euh, sur la scène euh, politique française. Alors, je vous l'ai dit en introduction, il y a eu pas mal de candidats qui ont créé leur chaîne, mais pas forcément avec... Le même succès. On peut penser par exemple à Nathalie Arthaud qui a atteint seulement 430 abonnés. Benoît Hamon non plus, c'était quand même pas énorme, 6900 abonnés. Et Emmanuel Macron, donc notre actuel président de la République, il n'a pas non plus atteint le même nombre d'abonnés que Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vraiment des ratios qui sont intéressants à mettre en avant par rapport après aux résultats des campagnes électorales. Et là, je vous ai mis aussi un extrait d'entretien avec un des responsables de la communication numérique de François Fillon, qui explique que YouTube, c'est bien joli, mais c'était très difficile pour cette équipe de trouver le bon ton. Parce que c'est quand même un cadrage dans le champ politique. C'est compliqué de trouver le bon ton sur YouTube. Ça avait, on m'avait dit la même chose euh, sur euh, utiliser l'humour en politique sur les réseaux sociaux, que c'était difficile de trouver le bon ton parce qu'on pouvait être très rapidement ridiculisé. Donc là, il met en avant ça. Et, et François Fillon, l'équipe de François Fillon avait choisi de rester dans une chaîne YouTube très institutionnelle. Donc euh, pas du tout dans les codes euh, des YouTubeurs. Alors je voulais vous passer, je sais pas si ça va marcher. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je me fais un peu le bilan de la semaine. Ça va être la nouvelle version des conversations au coin du feu. Parce que je trouve que c'était important qu'on puisse faire le point. À la fin de chaque semaine, essayer de récapituler ce qui s'est passé, ce qui est important. Important pour vous, il faut m'écrire, me le dire. Et moi, je vais essayer de vous dire ce qui est important pour moi. Parce qu'on vit en effet une, une drôle de campagne pour ces présidentielles. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de fracas, beaucoup de, de mauvais théâtre. On a commencé la semaine avec un candidat qui prétendait qu'on était en guerre civile le lundi. Le mercredi, il appelait lui-même à manifester contre la justice. C'est quand même une drôle de campagne. On a une candidate qui continue à monter dans les sondages au bénéfice des affaires alors qu'elle-même en subit. Bon, voilà. Tout ça, c'est du bruit, du fracas, de la fureur, diraient certains. C'est un peu triste. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est vraiment rester sur le fond des choses et essayer de répondre à la fois au quotidien, qui est le nôtre, et à nos perspectives communes au futur. J'ai reçu des, des reproches, pas des reproches mais enfin des reproches, enfin des... Euh, C'est Isabelle qui disait que regarder les principales mesures, pas de thème handicap, à part 100 euros pour l'allocation adulte handicapé, on le dit minable. On n'arrive même pas au SMIC, ce qui est vrai. Euh, et en matière d'éducation, on ne parle pas non plus de handicap ni euh, d'autisme. Bon, en, en fait, je crois qu'elle d'ailleurs elle le reconnaît un peu après, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas fait une entrée handicap. Il y a beaucoup de choses dans le, dans le programme sur le handicap puisque euh, on, euh, on propose d'augmenter substantiellement. Le... Alors l'idée de, de vous montrer cette chaîne YouTube. Euh, donc là, c'était le, le premier épisode de la de la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron qui a été lancé donc euh, tardivement dans la campagne, le 5 mars euh, 2017. Donc l'idée pour euh, on a parlé pendant ce colloque d'authenticité, de, d'essayer d'être spontané. Alors là l'authenticité, elle était dans le j'avais discuté avec les équipes d'Emmanuel Macron, ils m'ont expliqué qu'il y avait un travail sur l'authenticité, notamment quand il se baisse on peut penser que c'est que c'est pas du tout euh, bien pensé, que ça fait artisanal, mais c'est souhaité. Ça montre quelque chose, euh, voilà, d'authentique. Il n'y a pas de d'esthétisation de, de l'image. On est on est euh, dans le côté voilà naturel. Donc euh, après, on, on le verra. C'est difficile. Alors sa chaîne YouTube a très, assez mal marché. Il y a eu assez peu d'épisodes. Mais il y a aussi cette idée, on le verra après, ça a été repris par rapport à la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, l'idée de répondre aux questions avec cette idée d'être dans une rhétorique de proximité pour dire qu'il euh, je suis à votre écoute je vais répondre en direct en vidéo à vos questions et je vais même prendre des questions difficiles où on me dit que c'est minable ce que je propose. Donc il y a vraiment cette idée de choisir des éléments pour montrer que oui euh, je vous écoute et je me remets en question mais je vais vous montrer que quand même dans mon programme parce que c'était ça la suite de la réponse je je, je dis que euh, voilà, j'ai j'ai des mesures pour alors là, je vous ai mis plusieurs images des chaînes YouTube des différents candidats. Donc on voit bien que déjà, ils ont tous souhaité travailler ce côté, on va dire, pas trop mise en scène, excepté, on le verra, la chaîne YouTube de Florent Philippot. Donc finalement, qu'est-ce qui fait le succès de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon Parce que. Voilà, je vous ai passé un extrait de la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron qui a peu marché. Euh, Qu'est-ce qui a fait que celle de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné Donc, euh, au niveau de, de mon travail, donc comme je vous l'ai dit, c'est assez exploratoire. J'ai fait des entretiens avec euh, l'équipe de campagne numérique de Jean-Luc Mélenchon et j'ai travaillé sur un corpus donc regroupant euh, 8 vidéos de l'émission pas vue à la télé qui est une des premières émissions et la deuxième émission revue de la semaine. J'ai travaillé plusieurs vidéos aussi, ainsi que la fameuse foire aux questions qui a été proposée en fin de campagne. Alors là, je vous ai mis le détail des vidéos étudiées. Hop. Donc, euh, la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon, on a tendance à, à penser euh, qu'elle a été créée pour euh, l'élection. Euh, de 2017, euh, mais la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon existait dès 2011. Euh, elle a été créée. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012, puisque chaque campagne électorale, on voit, dans la perspective de chaque campagne électorale, on voit de nouveaux outils apparaître. Donc là, ça fait partie de ces nouveaux outils. L'idée, c'était de proposer un outil pour visionner, en dehors des directs des chaînes d'information, de revisionner, disons, les discours du candidat, les meetings, et créer ainsi une sorte d'archivage, de compilation de la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. En plus de cet archivage en ligne, il y avait aussi l'idée d'une web série, donc qui s'appelait en marche. Donc euh, l'idée, c'était euh, voilà, en marche, un effet euh, de mimétisme avec euh, l'équipe aussi de Nicolas Sarkozy, qui avait déjà lancé en 2007 euh, une web TV. Donc c'était dans le même esprit euh, au niveau du, de l'outil. Donc il y avait une rubrique quotidienne dans cette web-série qui s'intitulait « Les experts ». L'idée, c'était de donner la parole à un élu qui va approfondir un thème de campagne dans un format très court, donc un format de deux minutes maxi, et qui, dans l'idée, s'adaptait vraiment à aller reprendre des formats des grands médias avec un code visuel très esthétique. Euh, qui un peu rappelait ce qui était réalisé dans des fictions de cinéma. C'était très rythmé euh, avec un teasing pour le prochain épisode. Euh, donc cette approche très euh, stylisée, elle a été critiquée. Donc là, je vous ai mis euh, euh, un extrait d'entretien où euh, on met à euh, peu près après, donc là, c'est en 2017, hein, une critique euh, sur cette websérie au sens où elle faisait un peu trop comme, euh, pas assez euh, spontanée, on ne voyait pas de, de militants. Voilà, il y avait vraiment euh, un esprit trop esthétisé. Et là, il met en avant que c'était une autopromotion de l'agence, mais pourtant, il n'y avait pas d'agence euh, qui avait mis en place euh, cette, euh, cette chaîne, euh, cette web série. Euh, C'était bien des, au départ euh, des, des prestataires et des militants qui avaient euh, travaillé sur, sur cette web série, mais elle a été tellement esthétisée euh, que euh, dans l'esprit des militants, c'est resté comme euh, une agence de communication qui avait produit euh, cette web série. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une confusion dans les esprits, parce qu'après, ils ont monté leur propre agence de communication. Euh, donc de 2012 à 2015, aucune vidéo, euh, donc en période, hors période de campagne électorale nationale, il euh, n'y a eu aucune vidéo postée euh, sur la chaîne YouTube de, de Jean-Luc Mélenchon. Elle renaît euh, de ses cendres en 2015, mais dans le même format que celle qui était proposée en 2010, donc c'est-à-dire une vision assez euh, peu interactive avec, euh, et, assez, et pas de format originaux en fait, c'était juste des, euh, pour Lire, visionner euh, les meetings, euh, les réunions publiques. Donc il n'y avait pas encore en, en 2015 euh, une vraie compréhension des, de ce que pouvait apporter euh, YouTube. Donc là aussi, je vous ai mis un extrait d'entretien. L'idée que, euh, voilà, il dit on ne s'est pas approprié la grammaire existante sur YouTube. Moi-même, je n'étais pas assez attentif à ce qui se faisait déjà et à ce qu'on pouvait faire. Donc on était vraiment une redite de ce qui avait été proposé en 2010. Ça change en février 2015 avec l'émission pas vue à la télé. Donc l'émission pas vue à la télé. L'idée c'est reprendre, créer en fait une, une sorte de, on va dire une chaîne de télévision avec des, des sujets qui ne sont pas abordés à la télévision, des personnes qui ne sont pas invitées. Euh, à la télévision. Donc euh, ça, ça, pourtant, ce qui est intéressant avec cette chaîne donc, qui a été créée en, en février 2016, c'est que l'inspiration, euh, c'est l'inspiration de euh, ce qu'avait proposé Pablo Iglesias avec Podemos. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il avait été invité euh, en février euh, 2015 sur euh, cette chaîne, donc la « Twerka ». Et il a, il a repris un prose format où Pablo Iglesias, il invitait des hommes, femmes politiques pour discuter. Il se mettait un peu à la place de l'intervieweur en même temps, ça lui permettait d'orienter les sujets, de, et puis aussi de dire son, sa propre opinion sur le sujet. Et là, on retrouve ça avec Pas vu à la télé. Donc c'est une émission où Jean-Claude Luc Mélenchon invite quelqu'un qui n'est pas très vu à la télé pour parler d'un sujet pas très vu à la télé. Mais pourtant, ça ne reprend pas du tout les codes euh, de YouTube. On est plutôt dans un euh, format euh, télévisuel classique avec... Euh, une sorte de journaliste, donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui joue ce rôle, même s'il se, il se, il ne dit pas, il, au contraire, il ne veut pas afficher cette figure de journaliste parce qu'il dit tout le temps Mais j'ai aussi des choses à dire et je peux m'exprimer sur le sujet, donc je ne suis pas dans une posture de journaliste. Et un invité et dans un format statique, euh, donc plutôt une esthétique de chaîne de télévision. Voilà. Ce qui change, ça va être en, en, deux, en octobre 2016, avec le lancement de la chaîne La Revue de la Semaine. Donc là, on a vraiment une prise en compte euh, des codes euh, des youtubeurs. Euh, on, va, on va avoir un, avoir un, un changement. Donc, euh, là, je vous ai mis un, aussi un extrait d'entretien. Donc il y a l'idée... Euh, euh, ils veulent mettre en avant euh, l'idée que ça a été très spontané, que ça a été fait au dernier moment, que ça n'a pas été calculé. Euh, alors, ce que ce j'ai trouvé assez étonnant, c'est que là, je vous ai mis l'extrait d'entretien que j'ai retranscrit, euh, mais j'ai retrouvé exactement les mêmes mots sur euh, des, des... Il a donné beaucoup d'interviews, euh, Antoine Léomand, euh, dans des... Euh, dans des euh, chaînes de, de presse, euh, interviews télévisées, etc. Et il dit exactement la même chose avec exactement les mêmes mots. Donc euh, c est, c est un, ça peut être mis en question, ce côté hyper spontané euh, de, du lancement de cette, euh, de, cette émission de, télé, enfin, de cette émission YouTube, donc euh, la revue de la semaine. Mais il y a une volonté de construire ce, ce côté euh, spontané. De, il dit, euh, viens chez moi, on le fait, ça s'est fait en deux minutes, etc. Euh, au niveau des, de la reprise des codes, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, va adopter certains mots de la communauté YouTube, il va parler des pouces bleus, à chaque vidéo, euh, il va appeler les spectateurs à cliquer en masse sur les pouces bleus, il va remercier euh, ceux qui visionnent euh, sa chaîne. Il dit par exemple, tous ceux qui regardent cette chaîne ont donné un bon coup de main car ils ont donné plein de pouces bleus, si bien que tchouf, on est bien monté, donc il y a vraiment cette idée de on remercie sa communauté. Donc là, je voulais revenir aussi sur l'esthétique euh, des... de la chaîne. Donc ça rappelle euh, aussi ce qui est proposé euh, dans, dans les codes. Euh, on a un peu la le, le même esthétique. Hein. Et en même temps, euh, il est arrivé à ne pas euh, tomber dans la caricature. Donc quand on fait l'analyse comparative des chaînes YouTube avec les émissions euh, d'autres euh, candidats, celle qui revient dans le buzz mais négatif mais ça fait quand même parler de lui c'est évidemment la chaîne YouTube de Florent Philippot contrairement à celle de Jean-Luc Mélenchon où il n'y a pas de fond sonore il n'y a pas de fond musical il n'y a pas de zoom et des zooms il n'y a pas de cut dans les montages il n'y a pas de changement de plan celle de Florent Philippot on n'est pas du tout dans la sobriété l'image elle est pas fixe euh, et on est dans une caricature euh, du, des codes autour des jeux vidéo, etc. Donc, ça, ça a été beaucoup euh, critiqué et, euh, on va dire, euh, oui, euh, et caricaturé. Là, c'est une caricature que je vous ai mise en avant. Donc, euh, qui a été même caricaturé. Donc, là, c'est Antoine Léaumont par euh, donc, euh, le responsable de la chaîne YouTube euh, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils ont joué euh, avec. Euh, les, les, les autres propositions des autres candidats. Et je vais arriver rapidement, euh, parce que je parle trop lentement, sur les, ob les objectifs, les effets euh, politiques euh, de la chaîne YouTube, d'une chaîne YouTube à succès. Euh, donc ça permet déjà d'avoir son propre média. Ça s'est euh, mis en avant euh, très souvent dans euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sur sa chaîne. Donc je vais vous passer un extrait rapidement. Bonsoir mes amis. Voici le premier numéro d'une série de flash vidéo que nous allons faire maintenant chaque semaine, si je peux, et qui sera la revue de l'événement ou des événements qui m'ont intéressé pendant la semaine, qui ont capté mon attention et dont je voudrais parler, alors que je n'en ai pas eu l'occasion. Il s'agit pour moi de préparer différents instruments qui vont ensuite se déployer pendant toute la campagne présidentielle puisque euh, ma méthode est de penser que le premier média sur lequel je peux m'appuyer, ben, c'est moi-même. Voilà. Avant euh, tous les autres. Et quand je dis moi-même, c'est de vous retrouver sur ma page Facebook, c'est de vous retrouver sur mon blog, euh, sur ma chaîne euh, YouTube euh, ou bien euh, dans les tweets. Enfin bref. Euh, j'ai plusieurs instruments qui sont en place et je m'appuie dessus pour mener la campagne de conviction de longue haleine que j'ai entreprise depuis le 11 février dernier avec euh, les Insoumis et la France Insoumise. Donc voilà, je vous ai passé cet extrait parce qu'il il dit donc dans ce premier épisode de la revue de la semaine, ma méthode est de penser que le premier méda sur lequel je peux m'appuyer c'est moi-même. Donc il y a cette idée que YouTube permet de créer son propre média et donc euh, d'orienter, de cadrer euh, les sujets qui vont être euh, choisis. L'idée aussi, c'est qu'il n'y a pas de contradicteurs, vous n'avez pas de journalistes, vous pouvez finalement euh, argumenter sans forcément avoir euh, d'opposition, même si après ça va être mis en scène par Jean-Luc Mélenchon, cette opposition. Euh, vous pouvez aussi euh, bah, choisir les sujets qui vous intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est finalement que, comme la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon a été très, 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 très vue, euh, finalement, on a aussi beaucoup parlé de lui dans les médias et il s'est prêté au jeu de répondre aux interviews sur sa chaîne YouTube. Donc, il y a eu aussi un effet de visibilité en dehors euh, du monde de, du numérique. Donc ça a permis dans les médias traditionnels aussi de faire parler de Jean-Luc Mélenchon via le succès de sa chaîne YouTube. Donc il y a aussi une stratégie de communication euh, par le numérique pour dépasser le numérique et parler à, au, à un public beaucoup plus large qui ne regarderait pas sa chaîne YouTube. Donc avoir comme ça un, un, une, on va dire une visibilité médiatique beaucoup plus forte. Et enfin, l'idée de paraître proche, donc ça on le retrouve dans beaucoup de campagnes électorales, cette rhétorique de la proximité euh, avec l'idée de dépasser les barrières gouvernant gouvernés. Donc euh, là, je vous ai mis euh, plusieurs extraits euh, d'entretien. Donc c'est vrai que c'est un élément qui est, qui est assez fort dans la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, notamment via la foire à questions. Donc c'est le moment où il propose, à l'occasion euh, de l'anniversaire du nombre d'abonnés, il va proposer euh, de mettre en place euh, des questions, donc de répondre à des questions avec de com nombreux commentaires. Il va répondre aux questions. Et, euh, et donc, ça permet, en répondant à ces questions, de montrer, c'est comme, euh, comme Emmanuel Macron le faisait, de montrer qu'il est proche et qu'il va être à l'écoute et qu'il va répondre aux questions. Enfin, euh, dernier élément sur euh, convaincre les indécis, euh, c'est vrai que c'est toujours difficile avec le numérique de dépasser certaines barrières. On va toujours parler en fait, aux personnes qui sont convaincues, qui sait qui va aller regarder. Euh, euh, un site internet de campagne, bah, ce sont avant tout euh, les, euh, les adhérents, les convaincus, les sympathisants. Euh, pareil pour euh, Facebook. Qui c'est qui va avoir accès à tel type de contenu bah, via des algorithmes Facebook bah, C'est la même orientation euh, politique. Et donc là, il y a cette idée, mais comment C'est la question que se posent les euh, communicants euh, numériques. Souvent, ils se posent la question, comment on peut aller parler de, aux personnes qui ne sont pas convaincues, comment on peut les toucher Et donc, c'est Jean-Luc Mélenchon, il, il, a, il a travaillé ça notamment euh, via sa chaîne YouTube. En, en, là, vous l'avez vu faire son autopromotion avec Instagram, Facebook, etc. Il y a eu toute une stratégie de communication sur l'ensemble des réseaux sociaux qui a été très travaillée pour augmenter sa visibilité et être euh, pouvoir être partagé partout. Et enfin, je finis sur ça. L'idée euh, d'adoucir euh, l'image. Donc effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon en 2012 avec une, une, une image très agressive, euh, mais ça ne permet pas cette image très agressive de toucher un public plus large. Donc sa chaîne YouTube a participé à, à adoucir son image pour pouvoir effectivement euh, élargir son possible électorat. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bien. Et désolé de vous avoir un peu brusqué sur la fin, mais c'est pour avoir aussi un peu de temps pour, euh, pour les questions, donc euh, n'hésitez pas à, à interpeller nos, nos trois intervenants. Je vous en prie. Donc, re, 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 bonjour. Euh, donc ma question m'a et ma remarque va porter sur le travail d'analyste euh, des En fait, j'ai travaillé sur ce, pro, fin, sur l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant, pendant la même période. En fait, c'était mon sujet de mémoire en fait à Paris 1, pendant Sorbonne. Et euh, j'avais euh, une, une remarque, un, en tout cas à, à partager si, si possible, euh, quand vous parlez des euh, des apports politiques premièrement que ça peut apporter, ce que j'avais remarqué notamment dans une analyse euh, d'image, etc. Et même dans le discours. C'était que ça plaçait aussi euh, politiquement euh, Jean-Claude Mélenchon comme un rafraîchissement de son œuvre politique. Euh, Au-delà même de l'image de Jean-Claude Mélenchon, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de mettre en avant en fait, des nouvelles thématiques. Des thématiques qui étaient très euh, numériques, des thématiques plus jeunes, et notamment euh, pour je suis dire oh, « ça va dans le sens de séduire cette nouvelle électorat ». Et donc, on, a, on voyait en fait qu'ils mettaient sur le même plan, par exemple, euh, le journal, euh, journal du net et des trucs très euh, numériques avec des euh, ONG euh, comme Médecins euh, sans frontières, etc. Donc, euh, en termes d'image, ils il traitaient de la même manière. Donc, première remarque. Et deuxièmement, c'était euh, sur euh, ce que vous n'avez pas abordé, autour des médias traditionnels. Euh, en fait, euh, moi, j'ai fait un passage sur la place toujours forte. Des médias traditionnels dans la logique, dans la stratégie de communication, et notamment après les entretiens que j'ai fait, parce qu'en en fait j'ai fait une, une observation participante euh, pendant la campagne et j'ai rendu le mémoire euh, le jour des élections, quoi, le jour de, des résultats. Et, Un et dimanche coup, euh, Le lundi matin du coup, hein, euh, <laughs> et, euh, et en fait, euh, je vous lis très rapidement, euh, donc. Euh, Mathias, un des, un des membres de l'équipe de communication, quand je lui parlais des médias traditionnels, il me disait non mais faut pas rêver, hein, on fait ça pour que les médias traditionnels parlent de nous, c'est une technique qui les pousse à parler de nous parce qu'ils voient qu'on peut faire sans eux on fait sans eux jusqu'à un certain point, quoi. après regarde les statistiques, ça parle tout seul, tu vois ça c'est notre augmentation de likes sur la page Facebook en temps normal et là c'est depuis le débat, ça explose c'est pas du hasard, c'est à chaque fois comme ça dès qu'il y a un gros truc à la TV, ben, on voit les, sur les statistiques regarde c'est pareil partout, sur Facebook, sur la chaîne YouTube donc la stratégie globale en fait, derrière tout ça, c'est que euh, le YouTube, euh, c'est une stratégie prise dans un univers global de communication. Euh, mais pas, de ce que j'ai pu analyser, c'est que ce n'est pas du tout une finalité. Au contraire, c'est un truc en pression. Euh, c'est un outil qui est, mis à, qui est mis sur la table pour faire pression. Voilà, donc. Mais on pourra en parler avec plaisir euh, plus tard. Mais merci pour la présentation, en tout cas. Merci. Je oui, alors merci beaucoup pour ces questions et remarques. Mais je suis tout à fait d'accord en fait. C'est ce que j'ai voulu dire rapidement, mais sur l'idée que la chaîne YouTube était un moyen de parler aux médias traditionnels et d'avoir plus de visibilité, puisque. Dieu fait même du succès de sa chaîne, on allait parler euh, de la chaîne. Et donc, euh, toujours l'objectif pour l'équipe numérique, euh, c'est de mettre en place des outils pour après élargir euh, et pas rester juste dans le monde du numérique qui est assez restreint et arriver à parler, à être relayé dans les médias traditionnels. Moi, j'avais étudié ça aussi en 2012 sur l'usage de Twitter. C'était pareil. L'idée, c'était euh, d'avoir des tweets percutants pour que ça soit repris après euh, par les journalistes et que ça soit... Euh, sur des médias papier ou mais pas non numérique donc il y a cette idée de pouvoir toucher à un plus large public comme ça et sur le, le contenu euh, c'est pareil il y a toujours cette idée de de toucher à un public plus large euh, il y a, par exemple, quand il répond à une question sur est-ce qu'on va mettre la pétanque aux Jeux Olympiques, il va parler aussi de pourquoi il aime bien manger du quinoa. Donc qu effectivement, c'est ce pas des sujets sur lesquels on l'entend très souvent, mais ça permet d'avoir ce côté aussi plus proche. Il est comme nous finalement, il aime bien le quinoa. Donc voilà, il y a des questions et des éléments là-dessus, et ça contribue voilà à rafraîchir le jeu politique et son image politique aussi. Merci. Euh, J'avais une question euh, également à, à Anaïs Tevio. Enfin, en fait, euh, d'abord, merci à vous trois parce que vraiment vos interventions étaient euh, très riches et très intéressantes. Et, euh, et du coup, en, en t'écoutant, Anaïs, euh, je, je me demandais si on peut faire le parallèle. Une question que je te pose en fait hein. par rapport à ton article sur Twitter dans la revue télévision numéro 5, Twitter en regardant la télé. Parce que du coup, ce que tu dis dans l'article, euh, qui date, ouais, donc on est en 2014, c'était sur Twitter, je le dis, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, et que je recommande d'ailleurs, euh, parce que tu avais fait cette analyse en, en, en analysant les réseaux sociaux et en rencontrant Romain Pigenel, euh, euh, qui avait dirigé la campagne numérique de François Hollande. Et en fin de compte, dans tes résultats, je n'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que je t'entends, je trouve ça vraiment passionnant. Ce que tu dis là, aujourd'hui, sur euh, finalement YouTube, c'est une forme. Pour les, euh, pour les politiques d'authenticité, rhétorique de la proximité. Mmh. Et l'autre chose, c'est les choses finalement qu'on retrouve mmh. quand on regarde le, le, le Twitter pendant les campagnes, aussi bien celles que tu as analysées en 2012 que la dernière. Mmh. Je veux dire, c'est encore valable, hein, même si les choses ont, mmh. ont changé quand même. Hein. Et, euh, et aussi l'autre fait sur lequel tu termines et sur lequel tu viens de, aussi de, de rebondir, sur le fait que YouTube, c'est un moyen d'avoir accès aux médias traditionnels exactement ce que dit romain Pigenel, en fait quand il dit les pizza parties en 2012 en fait c'était pas tant pour twitter que pour avoir ils ont quand même eu l'IB, ils ont eu des photos ils ont eu plein de médias donc twitter leur a permis d'avoir accès aux journalistes en fait autrement alors est-ce que est que finalement youtube is the new twitter ou est-ce que enfin je sais pas comment tu vois les choses toi, par rapport à, par rapport à ça alors... Euh, je pense pas que ce soit euh, le new Twitter, je pense que c'est la même stratégie, c'est à dire que euh, l'idée c'est la même. Euh, on va être euh... alors sur Twitter c'était très visible parce que Twitter c'est quand même au niveau de ceux qui sont twi sur Twitter, il y a quand même beaucoup de journalistes avec il y a des profils sociologiques qui sont quand même très marqués. Donc, c'était vraiment une stratégie en amont qui avait été pensée effectivement par Romain Pigenel. Et sur YouTube, je ne suis pas sûre que ça ait été pensé de manière aussi forte que sur YouTube, il allait avoir cet effet-là. Mais du fait du succès de la chaîne, bah pareil, l'objectif, c'est de d'être relayé dans des médias traditionnels pour dépasser ce cloisonnement du numérique, des internautes, parce que sinon, le public est quand même très spécifique en termes sociologiques. Donc, voilà, c'est parler aussi. À ceux qui votent. Une autre question Bonjour, euh, une question aussi pour Madame Tevio. Donc, euh, Charles-Éric, je suis étudiant en deuxième année d'IUT euh, Information Communication. Euh, merci d'avoir présenté euh, les différents outils qui ont été utilisés par euh, Antoine Léaumont et Sophia Chikirou pour euh, permettre de propulser la campagne de communication de Jean-Luc Mélenchon. Euh, notamment euh, les différents acteurs, que ce soit les militants avec la plateforme Discord, Discord Insommi ou bien euh, les médias traditionnels qui, finalement, même s'ils les contournent ou veulent les contourner, euh, permettent d'impulser d'autant plus euh, sa campagne. Euh, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que finalement, euh, c'est pas le parti politique qui permet de bénéficier euh, de tous les atouts que peuvent donner euh, YouTube dans le monde politique. C'est-à-dire que la gauche, on, on sait euh, euh, les valeurs qu'il y a derrière, de partage, etc. Est-ce que justement, ça ne se limite pas à un parti Et finalement, est-ce que l'extrême droite pourrait bénéficier des mêmes atouts en utilisant ce genre de plateforme Alors effectivement, il y a quand même des cultures politiques qui sont, qui sont prégnantes dans l'usage du numérique. Euh, on va dire, de manière générale, à gauche, il y a une facilité plus, plus forte à utiliser le numérique, notamment parce qu'il y a moins peur d'une communication moins contrôlée, on va dire. Mais on le retrouve aussi à l'extrême droite, où il y a une communauté en ligne. De trollers, on va dire, qui est très très forte à l'extrême droite et qui est très active. Donc ils ont aussi un usage du numérique, mais qui est spécifique. Euh, qui est plutôt un, un usage de provocation, euh, voilà, qui, est, qui est fort à ce niveau-là. Après, au niveau de la, de la chaîne YouTube, je pense que ça, ça dépend aussi de la personnalité, au-delà du parti politique. Donc, je suis d'accord sur qu'il y ait des cultures politiques différentes et des facilités et des habitudes aussi. Que, moi, je pense à l'UMP, il y a eu beaucoup de tentatives ratées. J'ai parlé des, des créateurs du possible, qui est un, un réseau social de l'UMP qui avait été fondé et qui a mis, je crois que c'était... 500 000 euros dans, dans cette plateforme et qui a dû fermer un an après parce qu'il n'y avait personne. Donc, ça, c'est un buzz négatif. Les lipdops c'est un buzz négatif. Donc, il y a eu pas mal d'éléments où ils ont eu une, une réputation en ligne qui était négative. Mais en même temps, sur YouTube, je pense qu'il y a un enjeu de personnalité. Parce que quand on regarde la chaîne YouTube de Benoît Hamon, elle est finalement très peu populaire euh, et de contexte politique aussi. Euh, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte euh, dans le succès d'une chaîne YouTube, et je pense que c'est pas du... Uniquement au parti politiques il y a vraiment aussi ce côté, il y a une personnification euh, qui est très très forte euh, et, et ça renforce cette personnification YouTube. Donc euh, il y a vraiment la personnalité joue et dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça lui correspondait très bien parce qu'il avait cette volonté euh, d'être de, euh, pédagogue, d'expliquer, de, d'être de, sur différents sujets. Donc voilà, ça dépend aussi d'une personne. Merci. On va prendre encore deux questions. Merci. Oui, une question, David Douillard, prime tour. Une question pour Thierry Devars. Euh, les commentaires sur ces vidéos politiques que tu as commentées euh, donnent quoi Et est-ce que ça réalise cette espèce de nouvel espace d'appropriation du politique que certains revendiquent Alors, les les commentaires, je crois que ça constitue le, le point à suivre de cette recherche, puisque je me suis concentré vraiment sur le discours et les représentations à l'œuvre dans, dans les vidéos, mais ça pourrait effectivement euh, au moins interroger la relation entre, je dirais, le public cible hein, qui est construit euh, par les youtubeurs à travers euh, un discours qui est assez euh, marqué, effectivement, des pratiques euh, voilà, qui pourraient être mises en, mis en relation dans un cadre un peu plus, un peu plus vaste que je n'ai pas encore euh, euh, approfondi. Allez, deux dernières si elles sont concises. Euh, bonjour, euh, du coup, moi, je voulais comparer finalement les, les résultats relatifs des chaînes YouTube du Parti Pirate et de, de Jean-Luc Mélenchon euh, avec les, les autres chaînes intermédiaires. Là, on a, euh, Christine a parlé des mesures et du peu de likes qu'ils ont. Euh, le peu de likes du Parti Pirate est quand même inférieur au like de de la chaîne de Benoît Hamon, qui était déjà quand même très faible, euh, alors que c'est un parti qui se réclame de thématiques numériques, qui se réclame d'une compréhension des enjeux en question, que c'est un parti qui, euh, qui s'est fondé là-dessus quasiment, même euh, le, le terme pirate, ils ont employé le terme pirate, mais euh, s'ils avaient pu, ils seraient probablement appelés le parti hacker ou quelque chose comme ça. Euh, alors que le, même s'il y a un programme numérique chez Jean-Luc Mélenchon, euh, déjà en 2012, mais euh, c'est pas le cœur du truc, mais ils ont compris quelque chose que, que peu d'autres parties ont compris sur, sur le, le rapport aux au spectateurs, euh, la, la construction de communautés. Alors, c'est pareil, on, ça fait depuis hier qu'on discute la pertinence du mot, mais. Mais, mais dans ce cas, on parle de quand même à un autre niveau, puisqu'on parle de communauté là, littéralement politique, donc c'est pareil, c'est quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur le fait qu'on parle de légitimité depuis hier aussi Est-ce que ce n'est pas toujours des acteurs qui sont délégitimés à un endroit qui essayent de s'emparer d'un autre média Et pourtant, ce n'est pas toujours les moins légitimes qui réussissent dans les nouveaux espaces. Enfin, ce n'est pas un renversement il ne suffit pas juste d'entrer de, sur YouTube et d'avoir été délégitimé dans les médias pour prendre l'espace. Ni d'avoir un effet dans le média. Je pense à Asselineau aussi, qui a une chaîne YouTube qui marche depuis très longtemps, mais qui n'a jamais eu aucun impact en dehors de YouTube, contrairement à Mélenchon, du coup, qui a eu beaucoup de mailles à partir avec les médias traditionnels. Et à partir de sa chaîne, se retrouve à avoir des effets positifs pour lui dans les médias traditionnels. Enfin, euh, qu'il ouais, qu faudrait des. Bon, en fait, je ne sais même pas quelle est la question exactement, mais voilà. <laughs> Mais il y a des différenciations qui sont de l'ordre de, oui, de ce que c'est que la légitimité médiatico-politique euh, voilà, de ces trucs-là. Il n'y a pas de question, mais il y a peut-être une réponse. <laughs> je, je vais juste sur le nombre de vues, parce que ça m'avait un peu intrigué. Notamment en 2012, il y avait eu pas mal de vidéos faites par des candidats en Haute-Garonne. Et je me disais mais 300 vues qu'est-ce que ça veut dire en fait est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup et j'avais comparé avec les autres candidats qui se présentaient en Haute-Garonne et en fait c'était le nombre de vues qui j'avais trouvé les mêmes nombres de vues pour les autres partis politiques donc peut-être qu'effectivement à l'échelle locale donc, quand ce sont des candidats qui se présentent pour des élections et donc, qui impliquent des circonscriptions tout ça euh, Il faudrait aller plus loin euh, sur cette question-là, mais ça mérite quand même d'être regardé de près, quoi, pour, euh, par rapport à ce point-là. Euh, autrement, euh, alors sur la légitimité, euh, euh, moi je ne considère pas que YouTube soit un média alternatif, hein, mais bon, euh, <laughs> donc, euh, je, voilà, ceci étant, euh, ce qui importe, c'est la possibilité de prendre la parole et puis. Euh, je pense que c'est là qu'est l'essentiel. Après, on touche le public euh, qu'on qu touche, mais. Non, pas... Merci. Une, une dernière question. Euh, c'est une question avec un point d'interrogation à la fin. Euh, Est-ce que. Euh, qui se pose à, à, à vous trois, merci pour ce que vous avez dit. Euh, et ça me fait penser avec euh, Emmanuel Macron au coin du feu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez J'ai pensé à dire Nadine Morano, mais Castaner, c'est pas pour la même chose. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, par exemple, de Castaner qui fait un Facebook live dans sa voiture, euh, du Premier ministre qui m'attend dit je ne veux plus répondre aux journalistes, euh, on va faire du live YouTube ou Facebook. Donc, euh, comment vous appréhendez tous les trois cette arrivée du live euh, qui remplace la mise en scène, au final, qu'on avait dans des vidéos statiques avec peut-être une dizaine de prises Enfin, ça, on n'en sait rien. Mais comment vous voyez cette arrivée du live Et est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un, un autre colloque à Tours dans un ou deux ans sur la question c'est noté. Pas, je, je crois qu'il y a une, une espèce de, pour reprendre les mots dozon causé une course à l'échalote peut-être, hein, une espèce de fétichisme aussi de tout ce qui peut se présenter comme, euh, comme innovant et qui prend là le, euh, enfin une étiquette, quoi, le, le, le beau bon live, mais qui renvoie à un imaginaire euh, relativement ancré, notamment euh, pour ce qui regarde la télévision. Enfin, le, la question du direct, elle est quand même... Euh, Assez, euh, assez central en la matière. C'est euh, voilà. peut-être un, un phénomène qu'il faudrait relativiser en tout cas euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, sur le live, je pense qu'on est... Euh — Dans l'idée de montrer qu'on va toujours plus loin, euh, dans cette idée de monstration de la modernité. Moi, je pense à Marine Le Pen. Elle a mis en place un Facebook Live. Elle a dit qu'elle allait répéter l'opération. Elle l'a pas répétée, parce que l'idée, c'était de le faire une fois pour dire bah, « Je l'ai fait. Je l'ai fait la première. Euh, et je suis hyper moderne parce que j'ai fait un Facebook Live ». Donc il y a cette rhétorique autour vraiment de euh, la modernité euh, bah, qui est mise en place euh, par des outils. Euh, donc ça, à ce niveau-là, on le retrouve à chaque fois. Ils mettent en place des nouveaux outils, ils le font qu'une fois, mais juste pour médiatiquement, encore une fois, être repris pour dire qu'ils ont été les premiers et ça leur fait une visibilité médiatique plus large. Il y a cette stratégie qui est constante. Et après, euh, au, au, au niveau de de l'usage et du refus euh, des journalistes. Moi, moi ça m'amuse toujours parce que euh, c'est toujours refuser les, des interviews journalistiques pour pouvoir cadrer, orienter euh, comme on souhaite euh, le sujet. Mais en même temps, l'objectif, c'est toujours, comme, comme euh, on le disait tout à l'heure, d'être repris euh, par les journalistes parce que c'est quand même là où il y a le public le plus large. Merci beaucoup. Encore merci à nos, à nos trois intervenants. Et je te laisse la parole, David. Bonjour. À l'issue de quoi, on fera une, une brève pause et puis on passera à la partie... Euh, euh, témoins, acteurs, regardeurs de YouTube par euh, la vidéo de d'Anthony D'Angelo et puis la table ronde euh, youtubeurs et youtubeuses animée par euh, Pascal Rico. Donc l'idée c'était de 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 conclure en fait sur la partie excusez-moi scientifique dans un premier temps. Avant cette partie de, de synthèse, en fait, ce qu'on va proposer, c'est que chacun des, des animateurs de, de session euh, euh, évoque ce qui constitue pour lui des, des apports ou des traits significatifs de, de ce colloque qui, à notre connaissance, est probablement le, le premier en France sur cette question à, à s'être nommé ainsi. En tout cas, bien sûr, il y a eu des colloques sur les... Pratiques culturelles numériques des jeunes. Bien sûr, il y a eu des journées d'études sur les plateformes et notamment de, de vidéos. Avant d'aborder ça, je voudrais adresser quelques remerciements qui ne sont pas juste une convention. Évidemment, il y a une convention formelle, mais évidemment, ce, ce colloque, euh, le live stream euh, YouTube, euh, l'affiche et tout ce qui était autour n'aurait pas pu avoir lieu sans le concours d'un certain nombre de, de personnes. Et en premier lieu, sans l'apport du Conseil scientifique, dont je tiens à remercier les membres qui ont évalué toutes les propositions soumises. Il y en a eu plus d'une quarantaine, je crois. La moitié ont été sélectionnées, ce qui est un signe de la qualité des, des probablement des, des choses retenues. Euh, voilà. Donc, il y a eu un travail important. Je voudrais saluer aussi à cette occasion la mémoire de Louise Merzot, qui était professeure à Université de Nanterre, grande spécialiste du, du numérique et qui est euh, décédée quelques jours après avoir fait des évaluations pour ce colloque. Donc, nous avons bien sûr une, une pensée pour elle puisqu'elle est morte très jeune euh, cet été, laissant euh, beaucoup de gens dans une grande tristesse à la fois humaine et, et intellectuelle et, et scientifique. Pour les contributions, je tiens, nous tenons par nous à remercier Laurent Salard d'avoir accepté d'assurer la, la conférence d'ouverture de ce colloque. La remercie aussi d'avoir été présente jusqu'au bout et de réagir, de tweeter, etc., afin d'être active sur plusieurs canaux en même temps dans l'échange avec le colloque. Euh, merci également à Anne Cordier d'avoir accepté euh, extrêmement tardivement, euh, improvisé euh, la veille ou l'avant-veille, d'ouvrir de, de, la discussion en écho à, à la conférence de Laurent Salard pour une discussion sur ces questions des youtubeurs et youtubeuses. Merci ensuite, bien évidemment, à tous les intervenants qui ont proposé des perspectives vraiment intéressantes, très différentes, et l'articulation de l'ensemble nous a paru vraiment intéressante, hein, d'avoir à la fois tantôt des approches socio-économiques, de l'autre des approches plus qualitatives ou qui s'occupent des, des contenus, c'est tout ça qui est important. Et merci aux intervenants d'avoir remis leurs textes qui sont pour les intervenants ou pour qui en ferait la demande disponibles dans les actes numériques de premier niveau qui, vous ont, qui ont été distribués aux intervenants sur les clés USB et qu'on peut se procurer en le demandant, sinon pour, pour les autres. Des soutiens, également, des soutiens également institutionnels, le soutien du comité de la recherche de l'IUT qui a apporté une subvention significative pour, pour l'organisation de ce colloque, le comité de la recherche de l'IUT de Tours. Merci également au comité de la recherche et du développement de l'IUT de Blois, qui nous a également apporté son, son soutien, à la commission recherche de, de l'université, qui a aussi apporter un soutien complémentaire en vue de l'organisation du colloque. Évidemment, sans ces soutiens-là, institutionnels et financiers, on ne pouvait pas organiser l'événement. Et ensuite, il y a toutes les contributions, peut-être scientifiquement moins nobles, mais sans lesquelles... On ne serait pas là, ou on ne serait pas en live stream, on aurait un micro, mais un micro sans pile, ou etc. C'est etc. Euh, d'abord la contribution de Valérie Glon, qui s'occupe du secrétariat de prime, qui a fait beaucoup pour euh, les invitations et l'organisation de ce colloque. C'est ensuite celle des, des techniciens du service informatique. C'est le travail de Rosemary Iskandar, qui est doctorante à Nice, au laboratoire Cyclam avec Nicolas Pellissier, et en co-direction avec moi, et qui a assuré tout le travail graphique et tout le travail sur le site, le site WordPress. Voilà, nous tenons vraiment à la remercier pour les très nombreuses corrections apportées extrêmement vite, tard le soir, pour qu'il y ait une communication numérique efficace. Et bien sûr, enfin, c'est le travail de l'équipe audiovisuelle de l'Université de Tours, ici présente à l'IUT et avec laquelle le PJT travaille beaucoup, et qui, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé dans des situations d'urgence enfin un peu complexes Vous avez compris qu'hier étaient présents des étudiants dont on ne pensait pas tout à fait qu'ils seraient là, enfin voilà, ainsi de suite. Et je tiens vraiment à les remercier nominativement, avec une petite fiche pour ne pas faire d'impair... Il s'agit bien sûr de Renan euh, Apriou. Excusez-moi, je tiens absolument... Je ne devrais pas mais avoir ma fiche. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire d'erreur. Et je sais en faire. Euh, Arnaud Lecoutet, Étienne Bonnet, bien sûr. Et Renan Apriou, je l'ai nommé pour le travail vidéo qui a permis à la fois la rediffusion dans l'autre amphi... Euh, dans lesquels un certain nombre d'étudiants sont passés, puis, puis passés. Euh, la, le live stream euh, YouTube. Euh, les conditions euh, techniques euh, dans cette salle, la visioconférence euh, tout à l'heure, voilà, tout ça a été possible euh, grâce à eux. Et c'est du coup aussi grâce à eux que toute une communauté euh, distante a pu échanger par tweet, euh, dire qu'il ne, qu ne fallait pas se moquer des DIY, euh, réagir sur tel ou tel aspect. Tout ça a été possible grâce à, à cette infrastructure euh, technique. Voilà, je vais vous demander de les, les applaudir comme on disait à la télévision et puis on va passer aux conclusions. Et pas seulement les étudiants qui ont live tweeté de l'IUT, aussi les étudiants que j'ai évoqués tout à l'heure qui ont réalisé le... Le teaser mashup que vous avez vu ce matin, qu'on repassera peut-être dans, dans un instant, euh, avec Jérémy Nisset, donc les étudiants de l'EPJT qui ont réalisé ce, ce petit euh, pot pourri, comme on aurait dit autrefois en français, de, de, de vidéos pour nous mettre dans l'esprit YouTube avec beaucoup d'humour. Donc merci à eux. Et puis merci aux étudiants, effectivement, de l'EPJT qui ont live-tweeté et là aussi assuré la vie de, de cette communauté. Merci, Laure, de le, de le rappeler. On va passer donc maintenant aux conclusions scientifiques du colloque, enfin de la partie scientifique du colloque, pour essayer de voir. Enfin, l'idée c'est que chacun des animateurs des sessions qui, qui ont lu les textes, qui vous ont qui ont donné lieu à des communications qui vous ont été présentées, qui ont discuté ces communications, de vous dire ce qui leur a paru important. Très bien, merci beaucoup. Euh pour toutes ces contributions, euh, juste un point de, de, de narrativité. On lance un appel à communication. Euh, on ne sait pas ce qui va revenir de, de cet appel, et on découvre effectivement euh, toutes ces recherches en cours qui s'est passées dans nos bureaux, dans nos chambres, peut-être euh, dans nos tiroirs. Euh, au terme de ces deux journées très enrichissantes, j'aimerais euh, souligner effectivement le, le, je sais pas, la ratification de ce fait à la fois social, culturel, industriel, est l'émergence et la figure du youtubeur et dégager déjà des perspectives qui les confirment comme un objet euh, digne de, de suite euh, peut-être d'une deuxième édition d'un colloque euh, reprenant euh, les, les mêmes intitulés euh, à discuter collectivement. Mais si je synthétise euh, ce qui me paraît remarquable au terme de ces deux journées, je pense qu'il y a une thématique très précise qui se dégage et qui est transversale aux, aux différentes Intervention qui a trait à tout ce qu'on a pu dire sur les sentiments ou l'impression de proximité, d'authenticité, d'intimité, de familiarité. C'est un invariant, et on va au-delà du cliché, ah, c'est parce que c'est amateur, et on commence à interroger des formes, des postures, des procédés qui connotent ces valeurs. On voit que c'est mis en scène. Euh, qui a une part peut-être de fake, mais euh, mais que ça fait son travail symbolique quand même que la société tient ensemble grâce aussi à, à ces petits jeux de connotations de, connotation de valeurs aussi aussi factices soient-elles. Euh, voilà et peut-être en complément, je pense qu'il y a aussi deux potentielles directions de recherche qui émergent à partir des de différentes interventions. Euh, D'une part, euh, euh, la conscience diachronique qu'on commence à voir de YouTube. On peut commencer à pouvoir opérer des contrastes entre ce qui était une chaîne à l'origine, ce qu'elle est devenue. On peut tracer des trajectoires. On peut contraster un avant et un après, ce qui est sans doute heuristique pour voir comment la figure a des racines et des ramifications en termes de format ou de posture, de style. Et aussi, peut-être, pour certaines communications, cette possibilité éventuellement d'envisager de, aussi de petits objets comme le commentaire, la vignette, la miniature, les composants d'une chaîne. On peut aussi peut-être éclater la poupée et faire des, des micrologies, des petites recherches en miniature. Voilà pour trois potentielles directions qui me semblent avoir été nourries au cours de ces deux journées. Et encore, merci à tous les intervenants. Je pensais que tu interviendrais, y compris sur la session qui était la tienne. Non, le, pour compléter ce que dit Gustavo, l'objectif va être de le répéter. Euh, on avait ce pressentiment que le sujet pouvait convenir euh, à ce que sont euh, les chercheurs en infocom, mais pas seulement. Ça s'est vérifié. Et je vais vous donner mon sentiment là à l'issue des deux journées. C'est qu'on a exploré une goutte dans ce qu'est l'océan en réalité. On l'avait déjà vérifié, ce, ce, ce sentiment, dans le sens où, quand on a ouvert l'appel à communication euh, et en le construisant, on voulait une diversité de ce que sont les youtubeurs et youtubeuses. Euh, il y avait déjà une petite frustration de voir que. Les 200 ou 300 thématiques auraient pu être traitées. On a eu des réceptions de communication sur peut-être une soixantaine d'entre eux. Donc on savait déjà que tout n'allait pas être traité. Qu'il a fallu faire une sélection et que dans les entrées que, que vous nous avez proposées, euh, collègues chercheurs, euh, là aussi vous preniez une petite partie parce que c'est difficile d'émettre de des hypothèses sur des choses assez vastes, intégrales. Donc euh, il y a évidemment peut-être une ambition à aller étendre au-delà sur les pistes que Gustavo mentionnait tout à l'heure et que peut-être mes autres collègues vont mentionner. Euh, pour autant, en le faisant, à la fois sur la partie scientifique pour ma part et pour une autre partie qui était celle de construction du teaser, ça a l'air tout bête, et en m'appropriant ce qu'étaient les communications et les analyses de vidéos qui étaient les vôtres, j'ai pu encore connaître plus de choses et aller au-delà non seulement de ce que sont les vidéos ou des commentaires, mais de la perception que chacun peut en avoir et de tout ce que d'ailleurs on ne connaît pas. Euh, Il voilà, y a une variété encore plus grande que celle qu'on peut imaginer, elle me semble importante à interroger euh, en recherche, avec une chose qui a été dite ce matin qui me semble importante, c'est que la plateforme ne nous permet pas d'interroger autant que d'autres médias au sens classique, télévision, radio euh, et la presse écrite, et dans une certaine mesure les premières versions de ce qu'ont ce qu été les journaux sur les sites web, euh, tout ce que recèle la relation d'un producteur vis-à-vis -vis de ses publics, mais parce que les traces laissées, elles ne sont pas intégrales, elles ne sont pas exhaustives, donc elles nous interrogent. Euh, comment faire, comment s'approprier ça, comment être sûr que la matière qu'on investigue, euh, elle est stable, elle ne l'est pas, elle est mouvante, et peut-être que du coup, il faut abandonner les méthodologies, comme ça a été dit ce matin, euh, avec lesquelles on était habitué. Euh, voilà, ce sont autant de défis pour euh, nous. On espère pouvoir vous proposer des suites, non seulement en termes de publication et de restitution de ce qui a été ce colloque, mais peut-être d'inventer, euh, c'est évoqué depuis de quelques heures, euh, une version 2 et d'autres versions. Je tiens juste à préciser, parce que parfois, certaines enfin, certains pardon, de nos collègues, et certaines de nos collègues de façon souriante l'interrogent. On a démarré nos activités au moment où l'équipe s'est constituée avec une journée d'études sur Google. On vous promet qu'on n'est pas sponsorisé par le groupe Google pour avoir continué ici avec ce qu'était YouTube et les youtubeurs. Pour autant, c'est un acteur majeur, assez incontournable, qui fait beaucoup bouger ce que sont les acteurs euh, au départ centraux, qu'on interroge depuis une dizaine d'années, euh, pour ma part par exemple en télévision. Donc il y avait une évidence, je répète, à interroger ça. Et il me semble intéressant, euh, c'est une leçon à la fois pour nous chercheurs, même si on le sait déjà, mais pour vous étudiants, qu'on repart du colloque avec sans doute plus d'interrogations que de leçons, mais c'est ça la posture de recherche aussi, donc elle va nourrir, j'espère, vos travaux et puis nos travaux euh, en commun. Alors moi, il y, y a deux choses qui, qui, qui m'ont saisi on peut être saisi d'un certain vertige face à cette foule de vidéastes. En fait, on était vraiment, on est face à une foule. C'est ce que disait, disait Jean euh, euh, Châteauvert. En fait, on, on, on tire un fil et on voit l'ampleur de tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, et en fait, dans cette foule, cette foule, elle est aussi marquée par une très grande diversité. Une très grande diversité. Il euh, y a des domaines d'expression qui sont euh, très très différents. Mais au final, ici, on a quand même évoqué ceux qui étaient les plus visibles. Et euh, dans cette foule, il y en a qui restent invisibles. Et je me remercie, Esteban Giner, de m'avoir euh, donné connaissance de Petit Tube, qui est un, un, une plateforme de vidéos qui sont les vidéos qui ont le moins de 10 vues. Et en fait, cette plateforme a pour but de leur donner une seconde chance. Voilà, donc si vous allez sur Petit Tube, il y a un robot. Qui vous propose à chaque fois que vous rafraîchissez la page une nouvelle vidéo euh, d'un vidéaste qui n'a pas eu la chance euh, d'avoir eu plus de 10 vues parce que YouTube, euh, l'univers des vidéastes sur YouTube, c'est aussi ça ceux qui ne sont pas vus et qui ne sont pas euh, rendus visibles par l'algorithme euh, de YouTube. Donc en fait, euh, peut-être aussi qu'il y aurait là euh, voilà une foule à aller voir euh, euh, assez nombreuse. Et puis on parle de YouTube, mais il y a Rutube. Et puis il y a aussi Yuku. Voilà, donc Yuku pour la Chine et puis YouTube pour euh, l'univers euh, russophone. Euh, voilà, est-ce que quand on change d'espace culturel, euh, ce qui fait une figure euh, euh, change également Et puis j'ai été marquée aussi par la porosité des espaces médiatiques qui sont investis par les vidéastes dès qu'ils le peuvent. Euh, sauf qu'il y a un lieu qui n'a pas été évoqué, enfin un média qui n'a pas été évoqué, la radio. Sauf par euh, Béatrice Guillier euh, ce matin. Euh, et en fait, oui. Et cette, euh, cet espace-là, il y, y a deux. Moi, je vois deux, deux rapprochements possibles. Euh, Laura Schmidt a dit que euh, YouTube devenait un média de stockage, tout comme la radio avec les podcasts. On peut dire qu'il y a une évolution, une tendance, la radio qui devient un média de stockage. Et puis, il y a cette proximité voilà, qui a été soulignée par euh, Gustavo, et la radio, donc euh, Clévarec, euh, les, les, les travaux sur la radio et les adolescents. Et c'est vrai que ça passe par le corps, hein, la voix, qui fait cette proximité entre la radio et, et, euh, son, et les auditeurs. C'est vrai qu'il y a peut-être un phénomène comme ça à creuser euh, avec euh, les vidéastes de la plateforme. Alors moi, ce qui m'a frappé euh, tout au long de ce colloque, en fait, c'était de reprendre un petit peu ce que disait tout à l'heure euh, la métaphore de Thierry Devas tout à l'heure en parlant des promesses informationnelles. Donc euh, l'idée pour moi, c'était de me présenter à ce colloque et de guetter, en fait, quelles sont les promesses informationnelles qui peuvent être réalisées à travers, justement, euh, tous les dispositifs qui ont été expliqués tantôt. Euh, à travers les jeux euh, YouTubeurs et jeux vidéo, euh, tantôt euh, par rapport à l'exposé de Béatrice Guillier, hein, sur la notion de médiation euh, dans le domaine des genres, par exemple. Donc moi, pour moi, c'était cette idée-là qui me préoccupait tant. Et je pense qu'à travers ce colloque, j'ai observé justement, j'ai compris que en tant que chercheur hein, on était sur le point, n'est-ce pas, de mettre en évidence à l'arrière-plan, hein, comme le disait tout à l'heure Thierry, un certain nombre de fabriques d'un dispositif de médiation par rapport, n'est-ce pas, à l'exercice, par rapport à la mise en place, à la mise en œuvre euh, des chaînes YouTube, etc. Donc, pour moi, j'avais ce regard fixé, n'est-ce pas, sur cette notion de dispositif de médiation des savoirs. Est-ce que, oui ou non, on peut, par rapport justement à ce que disait Hubert Fondant, Dire des youtube youtubeurs, que on est en place justement, on est en face est pas, de l'installation d'un dispositif de médiation des savoirs qui peut être accepté, qui peut avoir une acceptation, qui peut être validé de nos jours. Donc, c'était ça mon coup d'œil, et je pense que je me suis satisfait justement à, à écouter à la fois à Esteban, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi uh, Thierry, uh, leurs exposés à travers la médiation des savoirs. J'ai euh, d'autant plus de, de regrets euh, aujourd'hui euh, d'être venu que je ne suis pas, je n'ai pas pu venir hier euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que ça a été deux jours très riches en termes de, en termes de communication puis en termes d'interactivité. Euh, moi, ce que je retiendrai quand même, c'est deux, deux choses pour la partie en tout cas YouTube et politique. La première, c'est, et je pense que c'est un c'est un projet de recherche qui peut être intéressant, c'est que finalement cet arrière-plan du professionnel amateur qui serait là pour combler un vide médiatique, finalement est davantage là pour nourrir un espace médiatique que pour combler un vide médiatique. Et puis la deuxième chose que, que je retiens, c'est que finalement la reproduction des codes, la reproduction euh, de ce qu'on appelait tout à l'heure euh, cette, cette grammaire multimédia, la reproduction de, de ces stratégies de proximité hein, dont, dont tu parlais, euh, Gustavo, finalement, ne correspond pas toujours à une reproduction des contenus. Et je pense que, notamment en termes journalistiques, euh, il faut, euh, il faut évidemment creuser cela, euh, d'autant qu'on nous présente euh, souvent cette, euh, cette nouvelle production euh, de communication comme un moyen de, euh, bah, de contourner euh, le journalisme et de faire mieux euh, que, que le journalisme. Euh, et puis je me pose une question quand même parce que très souvent dans, dans, dans ceux qui utilisent Youtube comme moyen d'expression comme moyen de, de, de communication certains d'entre eux ont, ont des discours très, très anti-GAFA ou anti-GAFAM et j'aimerais bien savoir un peu quelle est leur position sur euh, j'utilise un outil euh, qui vient de ce, de ce système là alors que je dénonce moi même euh, ce système. Merci. Ce qui m'a euh, frappé pour ma part, c'est euh, le fait qu'on ait assisté tout à l'heure à l'affirmation identitaire animale hein, au cours de l'intervention de Maya Paltino. On avait repéré le cerf en, derrière euh, elle sur son mur au début a glissé, mais on n'avait pas vu ce chien invisible qui a aboyé jusqu'au au moment où elle parlait d'affirmation identitaire. On est donc dans un paradigme totalement latourien où les non-humains prennent le pouvoir et affirment leur identité. Alors le deuxième point, peut-être moins important, mais que je souhaitais relever de ce colloque, c'est la question du désir ou de l'envie. Je n'ai pas retrouvé dans mes notes, mais quelqu'un l'a dit, il me semble hier ou tout à l'heure, à propos de c'est l'envie de faire des vidéos de telle façon. On l'a vu avec Enjoy Phoenix aussi, le désir de revenir à ce qu'elle a envie de faire et non pas au DIY prescrit, etc. Et il me semble que, dans, pour un certain nombre de youtubeurs, il y a cette dimension de désir ou d'envie aussi, qui est intéressante et qui est très compliquée pour nous à approcher en tant que chercheurs, parce qu'on va les réduire à des, à des catégories socio-économiques ou, ou à des questions lexicales ou linguistiques. Comment on prend, donc non pas seulement en compte l'émotion, comme certains certain nombre de collègues le font, on l'a évoqué à propos de certaines lectures possibles d'un jeune phénix ou d'autres, mais comment on prend en compte aussi le désir d'entrer en relation, de proposer des formes, nouvelles ou pas, et cette envie de, de communiquer euh, via YouTube. Merci aux participants, aux étudiants, pour leurs euh, questions, évidemment, le, et pour le débat. Le comité d'organisation ne va pas se remercier lui-même, vous en voyez une partie ici, il y a également euh, Rosemary Iskandar que j'ai nommée tout à l'heure, euh, Sidiclay euh, dos Santos ici, et Kylian Stangel euh, notamment. Euh, sur le site WordPress, vous savez qu'il y a euh, quelques vidéos de présentation, les résumés euh, des interventions et désormais euh, le live archivé de l'ensemble du colloque qui est euh, consultable. Voilà, merci à vous, à la prochaine fois. On va faire une petite pause et puis on va passer à la, à la partie euh, regardeur, spectateur et puis acteur de, de YouTube, YouTubeurs et YouTubeuses. Avec d'abord une euh, vidéo assez étonnante euh, d'un étudiant californien euh, qui a, que, que nous avons repéré et qui a contacté euh, Gustavo Gomez-Meja, euh, qui présentera cette vidéo qui est. Euh, et à la fois dans la création et puis l'étude de YouTube. Donc il nous a envoyé spécialement pour le colloque, il en est très content. Une petite vidéo assez lumineuse, vous verrez, très courte, qu'on va regarder ensemble dans une dizaine de minutes. Et puis ensuite, nous aurons cette belle table ronde youtubeur-youtubeuse montée par Pascal Rico, qu'il nous présentera donc après la pause. Donc ce n'est pas fini, on est encore ensemble pour peut-être bien deux heures, une heure et demie, deux heures. Pour le moment, une petite pause de 7-8 minutes. Et on se retrouve tout de suite.